Presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Club Poker Radio. Salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio, en direct, de retour dans nos locaux parisiens et en compagnie de Chichi, comme toutes les semaines. Coucou Chichi. Coucou Comanche, quel entrain. Oui, c'est... Ah, t'as la patate. J'ai la patate, écoute, je suis content, il y a du monde dans les studios, ça fait plaisir, on est de retour à Paris après la petite épopée Marrakechi, hein, comment on dit, marocaine. Marrakechi, non Marrakechi. Je vous emmerde. Bon, Steven, il est marocain. Yala. Alors, cette semaine, nous avons le plaisir. Il est en train de fumer un gros bédo. Non, c'est bon, c'est une cigarette. C'est une cigarette. Non, c'est derrière. Pardon, c'est une cigarette. Par contre, derrière, c'est pas parce que tu es sur Skype que. Hein, nous avons le plaisir de recevoir. Déjà, on va commencer par celui qu'on connaît, Tapis Volant. Bonsoir, Tapis. Bonsoir. Coucou, Tapis. Toi, t'as beaucoup d'entrain. Ouais, beaucoup d'entrain. Bonsoir. Ouais, on a dit cette semaine, tu vends ton film. Donc promo, pense Cyril Hanouna. Ok. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas en, ça. En te voyant, j'y pense. Ah. Oh, ok, d'accord. Ok. Tu as passé une mauvaise émission. Alors, celui qui est aussi le protagoniste de ce film de merde, c'est Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je vais pas. BV77. C'est ça. Quel pseudo de merde. Il faut le dire. Non, c'est clair. T'as l'ingé son qui te regarde très mal déjà. Faut que tu parles dans le micro. Il faut pas. Non, en vrai, il t'insulte dans sa tête. Il t'aime pas déjà. On te met la pression direct. Hein. Tu me disais, t'es content ? Ça va ? Oui, très content. Derrière toi, alors sur l'écran et pour en direct sur Skype, pourquoi où es-tu ? Où es-tu ? Je suis à Marrakech. Pour de vrai ? Putain, mais tu vois, oui, je suis à Marrakech. Putain, je vous ai croisé. Hein. Mais fallait bien nous voir. Mais tu sais, je t'ai dit, la petite déco derrière, c'est très Marrakech. Je vais c'est ça. Et t'es où à Marrakech? T'es chez toi? Je suis chez mon collègue. On peut dire que c'est chez moi aussi. D'accord. Ah bon, en tout cas, t'as un bel accent de Marrakech. Merci. Donc, Pedro Guitou, on s'était beaucoup demandé si je t'appelais Pierre. Non, c'est Pierre Guy. Donc du coup, en espagnol, Pedro Guitou, logique. Pedro Guitou, à base. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tous les deux, vous êtes, comme j'ai dit, les protagonistes et vous faites partie de l'équipe des Flambeurs. C'est ça, ouais. C'est exactement. Ça. Tapis, tu es venu un petit peu tel un Loïc Zans des grandes années. Tel un cheveu sur la soupe. Un petit peu faire ta promotion. Loïc, pardon, Tapis. Ton film est sorti hier. Alors, si tu devais faire un petit peu le pitch, si on était un petit peu sur Canal+ comme ça et j'étais Isabelle Giordano, comment tu présenterais Je préférerais que tu sois Isabelle Giordano. Je sais pas, tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Je l'ai vu dans le train tout à l'heure. À la fin. Moi, je l'ai vu. J'ai passé vraiment un très agréable moment en le regardant. Oh là là. Merci de sauver comment. Mais non, mais je vais t'enfoncer. Vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Non, attends, tu vas nous faire une Romain Holmes. C'est trop tôt encore. Ça va être gênant. Je dirai à la fin. Donc, ton film est sorti hier. Donc, c'est une production Winamax. C'est ça, ouais. C'est donc un film de Winamax dans lequel j'ai suivi les Flambeurs pendant leur main event WSOP. Donc, il faut rappeler qui sont les Flambeurs. Donc, c'est Pedro Guitou, toi, BV. Ouais. Donc, Pedro Guitou qui est sur Skype, moi-même, Guillaume, Loïc qui est sur le Club Poker aussi. Et Romain. D'accord. Tous les cinq, donc les Flambeurs, vous avez gagné le King 5 l'année Exactement, dernière. Ouais. Vous avez bien châté. Hein. Ah, on a bien châté, ouais. Il faut. Vous avez gagné le King 5 et donc vous êtes parti à Las Vegas.
Et toi, Tapi, comment l'idée est venue genre, c'est Winamax, c'était un peu dans le cahier des charges. On fait le King 5, tu vas aller suivre comme ça, ou c'est toi qui as donné l'idée? En fait, j'avais été, en gros, à partir du moment où j'avais été engagé par Winamax pour bosser sur les WSOP, on avait discuté avec Benjo sur quelle vidéo on pourrait faire, tout ça, et rapidement, il y a eu cette idée de suivre les mecs du King 5. Parce que ça fait, je crois que ça doit faire 8 ans qu'ils font le King 5. Ça fait 8 ans ? Et ils n'ont jamais été filmés, en fait. Et donc, on n'a jamais vraiment vu ce qu'ils avaient fait là-bas. Et du coup, est venue cette idée de suivre les mecs du King 5. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas forcément qui c'était. Et je ne connaissais pas les pseudos, donc je ne savais pas forcément si ça pouvait rendre quelque chose. Mais en gros, j'étais vraiment partant parce que vivre l'histoire du main event, vivre l'aventure du main event, à travers ces mecs-là qui ne l'ont jamais joué... C'était quand même génial comme idée, tu vois. Et donc, c'était aussi les suivre à Vegas. Les suivre à Vegas, découvrir Vegas par leur intermédiaire, voir ce que ça faisait de jouer un main event pour la première fois, en tout cas pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y en avait un qui l'avait déjà joué. Ok. Mais ouais, non, c'était... en gros, on n'avait pas forcément l'idée de faire un film à la base qui dure 1h20. On s'était juste dit, ça va être marrant de montrer les mecs qui ont gagné le King 5 et ce qu'ils vivent à Vegas, quoi. Tu le tournes pendant combien de temps? En fait, j'ai tourné pendant 12 jours à peu près. Ok, donc 12 jours, ça fait... T'es en immersion totale avec eux, du coup? Tu vis avec eux dans la ville là, ou pas? En immersion totale, pas vraiment, mais parce que je faisais aussi des coverages un petit peu pour Winamax, tout ça, mais j'étais quand même très souvent avec eux. Et en gros, dès qu'ils faisaient quelque chose, j'étais avec eux, j'habitais dans une villa qui était vraiment pas loin. Vous avez fait des aussi bons restos que quand tu filmais Seb Savic ou pas? Pas vraiment, mais... ils t'ont invité ou pas? Ouais, ils m'ont invité, ouais. Ouais. Allez, le cool, flèche, ouais. C'est pour moi. Ouais, non, non. On l'a invité au Earl Sandwich. Ouais. Ah, très bien. Bah, c'est bien le Earl Sandwich. Ouais. Je connais pas. Je crois qu'il y a quand même Don Revy qui me doit un Earl encore depuis 6 mois. Mais... Tu ne le reverras jamais. Il t'embrasse d'ailleurs. Il m'embrasse. Il est bourré. Mais non, ouais, c'était. Bisous à Don Revy. Ouais, bisous à Don Revy. Ouais, donc 12 jours. Donc toi, c'était. Alex, c'était ton premier Vegas? C'était mon deuxième, en fait. Ton deuxième Vegas? Premier main. Premier main. Ouais. Commencer un petit peu d'arriver, d'être suivi par un caméraman. On fait attention à tout ce qu'on fait ou... Non, franchement, c'est dérangeant les deux trois premières heures. Et après, on s'habitue vraiment. Genre, et t'es en permanence avec la caméra derrière eux? Ouais, en permanence. Ça dépend quoi. À part quand je suis bourré, mais dès qu'il y a une discussion, t'es avec la caméra quoi. Dès qu'il y a une discussion. Permanence. En tout cas, disons que j'ai toujours la caméra. Qui est là s'il se passe quelque chose quoi. En gros. Donc, Est-ce que dans le montage vous avez vu le montage avant que ce soit diffusé? Ouais. Vous l'avez envoyé ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez un peu, enfin, est-ce qu'il y a des moments, des petits moments où vous avez dit bon ça Tapi par contre. Ouais. Ouais. Du coup c'était... Attends, quoi ces moments? T'as une meuf Alex ou pas? Ouais. Elle écoute? Elle écoute ouais. Ok. Elle est cool? Genre c'est. Elle est cool aussi. Ouais. Genre c'était quoi un peu les moments que t'as voulu censurer? Genre, Tapi, t'as pas une capote? Non, je sais pas. Il y a des caméras. Il y a des caméras partout, donc si tu deviens rouge, fin, ça se verra. Je me souviens qu'à la fin, il a fait. J'ai un moment, j'ai fait un mauvais col et je voulais pas qu'on le voie. Non, c'est pas ça. À la fin, il a fait des petites interviews de nous et on était vraiment pas en état de passer les images, quoi. Non, on faisait l'équilibre, on était nus. Enfin, j'arrivais plus à parler, quoi. Il était là à vouloir me filmer absolument. Putain, alors que c'est nous, on a envie de voir ça. On a envie de voir un mec qui arrive plus à articuler. Alors, ouais, comme moi. Van, c'est bien. Non. Valait mieux pas le montrer. Les offs, c'est bien quand même. Tu les as gardés quand même, les bandes, Tapi. Ouais. On les a gardés. C'était dans la première version. Toi, Pedro, de te faire suivre un petit peu comme ça, comment tu l'as vécu? Pas de problème. Pas de problème. Non, franchement, à part, comme il dit Alex, à part la première heure où c'est un peu gênant parce que tu sais, t'es pas habitué, quoi. Après, très détendu, en fait. Mais. C'est surtout grâce à Victor, j'ai l'impression, en fait. Victor, tout de suite, en fait, c'est un bon gars, c'est notre pote, tu vois. Donc, on oublie que c'est un caméraman, tu vois. Ouais, ils se font dans la masse, ils se font discret. Comme on parle à son pote, ouais, tu vois, donc ça passe très vite, quoi. Parce que tu commences à... Vous arrivez à Vegas quand tu commences à filmer? C'est vraiment, genre, tu leur laisses pas de répit, quoi. Ils arrivent et tu filmes? Ouais, enfin, en fait, moi, j'étais à Vegas depuis pas mal de temps. Alex y était aussi. En fait, ils sont arrivés à 4 juste avant le King 5, enfin... 4-5 jours avant le main, avant, tu veux dire 4-5 jours avant le main. Et Alex, je l'avais déjà vu 2-3 fois. Je l'avais filmé un peu quand il faisait un foot avec tous les Français. Et je le connaissais un petit peu. C'est pas quand vous avez gagné
C'était Vegas plus... l'année dernière, non? Non, mais pas... c'était plus. Ils s'entraînaient à une compétition qu'ils ont fait après, mais t'en parleras peut-être. Mais... Ouais, ça nous intéresse. Et en tout cas, en gros, quand ils sont arrivés, ouais, j'avais déjà la caméra, donc j'étais avec Alex, en gros, au moment où ils arrivaient à l'aéroport. Et là, c'était particulier, parce que c'est vrai que tu leur dis pas vraiment bonjour, en fait, t'es déjà en train de filmer quand ils arrivent, quoi. Et ouais, en plus, toi, c'est ton premier contact avec la caméra, donc en gros, tu sais pas ce que tu dois regarder dans la caméra, tu dis bonjour Victor, ou tu vois, tu sais pas trop. Ça, c'est un peu gênant, c'est vrai que tu te présentes même pas, t'es déjà en train de les filmer, quoi, parce que en gros, c'est un peu comme si t'étais pas vraiment, si t'étais pas censé être là. Enfin, oui, tu vas avoir le vrai moment quand tu veux les premières impressions. En tout cas, sur le début, t'as envie, quoi, et c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Et t'arrives à. Tu peux filmer partout ou pas? Partout. Parce qu'on sait que c'est compliqué de filmer dans le Rio. Ouais, partout, non. Enfin, il y a pas mal d'endroits où c'est compliqué. En boîte, dans les casinos de Vegas, globalement, quand ils jouent à la roulette ou ce genre de choses. On voit compliqué. Pas le Rhino, c'est vrai qu'il n'y a pas le Rhino. Le Rhino, c'est compliqué. Bah, je crois que tu n'y es pas allé, Alex. Non, moi, c'est pas mon truc. Clin d'œil. En fait, le Rio, c'est compliqué, mais ils sont assez tolérants quand même. Et puis, comme j'avais le badge Winamax, ouais. En gros, ils me laissaient quand même filmer pas mal. Et on a aussi un Français un peu infiltré, WSOP, qui nous a pas mal aidé. Mister Chochon. Voilà, et du coup, on n'a pas eu trop de problèmes. Quand le nombre de tables se réduisait un petit peu, on m'empêchait un petit peu de filmer quand même. Mais, il y a eu un semi-diprun, quoi. Ouais, au semi, en bon diprane quand même. Ouais. Oui, ça bah, il a fait mieux que moi sur le main. Donc ah, c'est... putain, ah, c'est quand même. Ah, il a fait un énorme diprane, quoi. Genre, Il a fait TF. Voilà, c'est ça. Oui, c'est quoi ce diprane? Bah, je sais pas, Pedro, tu veux en parler? Bah, j'ai fait jour 5, quoi. C'est pas mal. Jour 5. C'est pas mal. C'est beaucoup d'heures de poker quand même, quoi. Moi, je l'ai vécu comme un diprun, quoi. Après, je sais pas. Bah, ça se voit, t'es encore fatigué là, on le ressent. On sent que tu t'es pas remis encore. Hein, jour 5, tu termines combien de tièmes? 167e. Putain, 167e. T'imagines, t'es allé tellement loin, il y avait 8000 joueurs. Bah, so ouais. Close, so close. 165e, tu prends quoi? Tu prends 35? 50, 49 et quelques. 49? Putain. Avec un petit peu. Avec tous les swaps que t'avais, ça fait 35 balles. Non, j'avais 85% de mon action, c'est pas mal quand même. Oh, c'est pas mal. Bah, T'avais combien tapis? Zéro. Ah, du coup on le voit pendant le docu, vous refilez un petit peu des swaps. Alors pendant le docu, je crois que c'est 1% chacun. Ouais. Mais il y a eu d'autres swaps un peu entre vous. Ouais, il y en a certains que vous partagez un peu plus. Ouais, ouais, les meilleurs, quoi. Les nuls un peu, vous avez pas pris, quoi. C'est qui les nuls un peu dans l'équipe? C'est qui les moins? Il y a pas les boulets, il y a toujours des boulets. T'as toujours un pote boulet, tu l'aimes bien, mais les boulets, je sais pas. Il y a un mec qui a lancé un challenge sur le CV parce qu'il a fait une année 2017 perdante. C'est toi. Non, ça va, l'année était gagnante au global. Ah, ça va. C'est sur PokerStars que j'ai. Ah oui, c'est sur PokerStars que t'es. Vu que tu joues que sur PokerStars, forcément. C'est ça. Non, je suis gagnant en expresso. Il y en a un de la team qui l'aime par contre. Ah, ok. Qui? Balance des noms ou pas? Oh, bah, le plus grand des 5. Le plus grand des 5, bah, ça nous aide, ça. Ah, déjà, ça bah, si t'avais vu le film, c'est clair que ça t'aurait. Excusez-moi, mais c'est non, parce qu'à une table de poker, quand tout le monde est assis, c'est compliqué. Bah, attends, tu peux pas savoir qui est. Comment je fais très grand à une table de poker? Le capitaine. De toute façon, quand c'est Chichi qui parle de taille, moi, franchement, ça me fait rien en général. Mais voilà. Tu vois, t'es un connard. Mais je le sais, mais je l'assume, c'est ça qui est beau. Ouais, bah vas-y, bah enchaîne. Tu vois, il veut pas balancer ses potes, moi j'aurais balancé mes potes, moi, sur un plateau. C'était donc ton deuxième Vegas, Pedro, c'était ton premier Vegas? Premier Vegas, oui, premier main, première fois de tout, ouais. Première fois de tout, c'est quoi la chose qui t'a le plus fait kiffer à Vegas, à part ton deep run comme ça? Ben, c'est mon rêve, en fait, simplement, hein, j'ai joué le main event, en plus je suis allé loin, je joue avec beaucoup de têtes connues. Donc genre qui c'est ça qui reste en qui fait. Par exemple genre qui ben, ouais. Antonius par exemple, c'est pas mal je trouve. Antonius ouais, sur Antonius, ma gauche quoi, vraiment... tout le monde joue avec Antonius en ce moment, il fait tous les tournois ce mec. Ouais, parce qu'on avait comment il s'appelle Marrakech merde oui on a eu Hugo Fagioli. Fagioli qui a joué avec Antonius aussi. Et faut dire qu'il est, ouais. Il a joué vraiment avec beaucoup de gens connus alors vas-y Antonius. Ok.
Alors, il y a eu Antonius, il y a eu Ferguson, il y a eu Ferguson, nous on le connaît, nous c'est notre pote, on a mangé avec lui. Ok, donc. Donc William Kassouf aussi, c'était ok marrant, pour l'instant, au niveau scammer, on est pas mal. C'est bien. Okay. Tinorim aussi. Tinorim, ok, on est bien. C'est bien. Il y Ezra aussi, non? Après, on a fait Howard Lederer. Non, pas Howard, j'ai joué avec Joe Kada, avec Chris Moorman. Moorman surtout. Avec Sean Winter. Ouais, ça y est, Ophelia Winter, moi je. Là, t'as perdu quoi. Ouais, j'ai perdu. Ça, là, on connaît plus nous. Sean Winter, vous connaissez pas? Sean Winter? Putain, c'est... Si, c'est un mec qui fait du snowboard. Putain. Non? Ça sera coupé au montage. Non. T'es pas obligé de... Vraiment, t'es vraiment pas obligé de rigoler. Hein. Non, mais il rigole, il est à Marrakech. Ah, bah oui, c'est le décalage horaire. Donc, Sean Winter. En fait, t'inventes des prénoms. Michael, en plus, non, Michael en plus, McDonald. Pour le coup, il y a vraiment un mec qui s'appelle Sean White Winter, qui fait du snowboard. Dans le dernier épisode de Dans la tête d'impro avec Davidi, il y est pourtant dedans, quoi, dans l'épisode. Tu penses que je regarde Dans la tête d'impro? Je regarde pas le poker, moi. C'est pas vrai. En plus, non, c'est génial avec Dans la tête d'impro. Il y avait Kanit aussi. Il a joué avec Kanit. Ouais. Ah oui, bien sûr, Mustapha Kanit. Et puis, il en a buzz certains aussi. De... Vas-y, voilà, t'as buzz qui Spoiler, ouais. J'ai buzzé spoiler. Chris Moorman, mais bon, ouais. J'ai pas trop de mérite, quoi. J'ai juste floppé plus fort que lui, quoi. Ouais, bah, en même temps, quand on buzz quelqu'un, en général. On a le meilleur jeu. En fait, t'as le meilleur jeu. C'est-à-dire, tu peux pas bluffer le mec qui bust. J'avais le meilleur jeu. Il y avait rien d'exceptionnel à le busto, quoi. J'ai juste chanté, quoi. C'est tout. Ouais, et. T'as mis une horreur un peu. Il y a pas un mec scénarisé. Tu as mis une petite horreur. T'as pas des petites stories, un peu des anecdotes de table? Non, franchement, non. Si, j'ai fait paire de neuf contre paire de valets, quand même. Ça, c'était un petit. C'est ce qu'on appelle chaté. Ce qu'on appelle chaté. Voilà. Voilà, en plus je le vois sur les images, le mec il avait l'air dégoûté et tout. Bah, ça, dans le film, c'est le main event, je pense que c'est normal. Que soit un peu tu perds ton 80-20 main event, ouais, si tu souris, non, je pense pas. Je pense que t'es un peu saoulé quand même. Ouais. T'aurais kiffé toi avoir les valets? Non, t'aurais pas kiffé. C'est sûr. Bah, voilà. Toi, Alex, t'as joué avec des mecs connus hein, un peu Surtout le Vegas, ouais, pendant le main, non. Dietrich Fast. Ok. Oui, non, mais si, je connais deux noms. Dietrich Fast. C'est un Allemand? C'est un Allemand, non? Vous avez fait plusieurs tournois parce que vous n'avez pas fait que le main. Non, mais moi j'étais là avant les autres en fait. Donc, c'est ça, donc toi t'as fait un gros Vegas, mais t'as fait. J'ai fait un gros Vegas. Combien de temps toi? Je suis resté un mois et une semaine. Ouais, bon. C'était comme PS en 2018 ou pas? C'était plus ou moins. Non, j'ai fait 2-3 Dipren en tournoi. Et j'ai acheté un tournoi online sur Winamax de là-bas qui m'a pas mal sauvé aussi. Un mini WSOP ouais. Où tu prends 9K, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi un peu le programme? C'est tous les 1000, tous les 1005, des Monster Stack, des Millionnaire Maker, des trucs comme ça? Ouais, niveau WSOP, j'en ai fait 6-7 et tous entre 1000 et 1005, excepté le main. Et après, on a fait pas mal de 500, 600 à côté, quoi, sur le petit casino. Ouais, toi aussi, Pedro, t'as fait genre un peu. Tu vois les trucs Golden Nuggets, les Venetian. J'ai fait ça, mais c'était vraiment horrible. C'est le Planet Hollywood, quoi. C'est injouable, en fait, les croupiers. Ah, c'est le Goliath, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le truc où il y a 15 jours où. Qui joue dans un entrepôt, là? Non, ça, c'était le Venetian qui a gagné Venetian, South, là. Le Venetian, c'était bien, c'était un beau tournoi. Ouais, c'était bien, 600$. Et je l'ai perdu 6 fois. Pourquoi faire le jour 2? Je l'ai perdu 6 fois. mais c'était un très beau tournoi, quoi. Et du coup, tu l'as gagné 0, quoi. Bah ouais, j'ai beaucoup perdu au Venetian. Je l'ai beaucoup perdu. C'est quoi ton spot préféré à Vegas? J'ai beaucoup aimé le Venetian, contrairement à ce qu'on peut croire. Même si on était dans un entrepôt et que j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, après, je passe en casino. Ah, ça y est, Marrakech nous rattrape. Marrakech nous rattrape. Ça y est, on est repassé en 56K. Marrakech l'a pris. Marrakech l'a pris. En gros, on a compris, en gros, quoi. Ok, bon. C'était assez haché. Juste pour revenir un petit peu, parce que tous les deux, toi, t'es assez actif sur le club poker, Alex. T'es membre depuis pas mal d'années, d'ailleurs. Ouais. Comment tu connais c'est quoi ta rencontre avec le club poker? Bah, figure-toi que c'était il y a tellement longtemps que je me souviens absolument pas. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est comme ton premier amour. Tu te souviens de ton inscription? Je me rappelle pas de mon inscription personnellement. Non, franchement, j'ai dû taper poker sur Google et j'ai bêtement cliqué sur un lien qui m'a paru sympa. T'as créé ton compte. C'était du coup, pourquoi ce pseudo? Tu viens du 77 Absolument pas non plus, non. Alors, t'as tapé ton prénom avec ton nez? Non, quand j'ai commencé, je me souviens qu'il y avait Jean-Louis 77 qui gagnait tous les flips. Et je me suis dit que mettre 77 à la fin de mon
mon pseudo. Putain, alors, ça, c'est vraiment, c'est l'histoire de pseudo la plus pourrie que j'ai entendue de ma vie, quoi. J'ai jamais entendu une. Non, mais attends. Bon, 77, bon, il a gagné. Putain, il joue voilà. depuis tellement longtemps qu'à l'époque, c'était Jean-Louis 77, la star du net. Putain. T'imagines? T'imagines quoi? Quand on vient à dire à ta meuf, putain, Jean-Louis, qu'est-ce qu'il prend, Jean-Louis, putain, ah, putain. Donc, bon, Pedro Guitou, toi, j'ai pas envie de te poser la question. Ah bon, pourquoi? Bah non, bah, on sait, bah, Pierre Guy, quoi. Enfin, voilà. Tes potes, tu t'appelles Guitou, et puis voilà, quoi. T'es en Espagne, tu t'es perdu, Pedro oui, Guitou. Oui, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Tout est non, logique. Par contre, son pseudo sur Winamax, il est pas mal. C'est quoi? C'est Voilà Tranquille. Génial. Merci. Merci, Tapi. Bon, normalement, tu dois comprendre la référence, mais voilà. Attends, tranquille. C'est Justice. C'est bien la vidéo de Justice. Bah, je la connais par cœur. Il dit voilà tranquille. Mais je la connais par cœur, bien sûr. À un moment, parce que pour moi, il dit plus. Ah ouais? Il lui dit, et puis on s'était dit, voilà tranquille. On sera jamais ce qu'il s'était dit avec son pote, quoi. Tu vois, il lui dit, et puis de toute façon, on s'était dit, voilà tranquille. Mais du coup, pourquoi t'as pas mis. Pourquoi? Moi, qui a cette référence à part tapis volant? Mais voilà tranquille, ça devrait être pareil. La vraie question, c'est pourquoi t'as pas mis 77 après, quoi? Voilà, c'est ça la question que tout le monde se pose. J'étais pas au courant de cette légende encore. C'est vrai. Toi, Pedro, c'est comment ta rencontre avec le poker en général et avec le club poker? Ben avec le poker en général, c'est classique. Canal+, Patrick Bruel, quoi, la grande époque. Ouais. Et le club poker, ça arrivait beaucoup plus tard. Mais en fait, c'est pas si classique que ça, parce qu'en fait, c'est classique il y a 5-6 ans. Mais plus on avance dans les années, plus les mecs ils disent pas le poker je l'ai rencontré en 2004 parce que ça fait quand même 15 ans. Donc ouais, en fait maintenant ils demandent des fois qui est Patrick Bruel maintenant. Ouais, c'est ça. Ça change. Non, j'étais là quand même presque depuis le début de la mode, quoi. J'ai tout de suite aimé et club poker, je suis venu quand même beaucoup plus tard. C'est quand même C'est bon, ça, c'est revenu. Donc, bouge pas trop les mains. En fait, j'ai l'impression que c'est quand tu bouges beaucoup les mains, le flux, il peut pas. Vas-y. Okay. Donc moi, le club poker, c'est plus pendant l'histoire de Pasqualini que il y avait. Voilà, les mecs, ils veulent nous foutre dans la merde. Attends, attends, on t'entend plus. Ça bug. C'est bon, à Marrakech, ça marche vraiment pas. Très bien. Donc, et ben, très bien. Merci beaucoup, Pedro Guitou. À bientôt. Super anecdote. Vraiment très beau pseudo. Très très beau. Ok. Vas-y. Non mais parce qu'en fait c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de... Donc c'est le club poker, donc on doit à Nordine Bouya le fait que tu sois arrivé sur le club poker quand même. On ne lui doit pas grand chose à Nordine Bouya, mais on peut lui devoir soi quand même. Enfin, c'est... Voilà, c'est vrai. D'accord. Et ben merci beaucoup Nordine, si tu nous écoutes. Et ben je vais rester poli. Alors, pour rester un petit peu avec votre amour sur le CP, toi BV, je sais que tu lances très souvent les challenges BV, des tu tournois. Peux Alex, mais je l'appelle BV moi. Et toi BV. Non, mais moi j'aime bien que les gens. Moi je vais l'appeler BV 77 moi. Je vais l'appeler que 60. Jean-Louis. Je vais l'appeler Jean-Louis. Jean-Louis du coup. Non. Ça, d'où te vient ton amour pour les challenges? Je sais pas. C'est juste que quand on joue online, on est super seul et que moi j'aime bien mettre un peu de piment, un peu d'entrain et d'émotion là-dedans. Et donc. Si t'as pas de challenge, t'arrives pas à trouver la motivation. Non, c'est motivé, pas ça. Si. Non, je joue quand même, je suis motivé et tout, mais voilà, c'est pas pareil. Puis j'aime bien les challenges, ça fait échanger avec des potes, ça crée de l'émulation. Donc, du coup, sur chaque série, tu fais tout le temps des challenges ou pas forcément tout le non, temps Non, pas mais forcément, mais ça arrive, puis j'aime bien partager un peu. Pedro, toi, tu fais un peu les challenges généralement ou pas? Donc, tu perds en MTT aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré Alex d'ailleurs, okay. Sur le club poker. Je participe à un challenge, au dernier moment, je me rends compte que je peux pas payer en fait. Et Alex, que je connaissais pas du tout, il me dit bah, « Pas de problème, je t'avance, tu me devras tant. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'Alex, bah, c'était un copain, quoi, tu vois. Ah bah, le mec te connaît pas, il te prête de l'oseille, c'est un bon copain. Voilà. Je savais que j'allais les récupérer après, en fait. Mais du coup, vous étiez déjà rencontrés tous avant Vegas ou il y en a, c'était la première fois non, que vous les voyez? Non, alors... Moi, je connaissais personne, j'avais rencontré personne, moi. Toi, t'es la pièce rapportée du King Five? Je me suis incrusté, ouais. Alors, d'ailleurs, oui, comment vous avez monté votre équipe? Ouais, alors... Pour l'histoire, moi j'ai. Ah, je sens que c'est une bonne question ça. Tu vois, il a répondu ouais, super vite. Ouais. D'habitude, ça me fait chier. Mais là, c'est. Je suis content, c'est la première bonne que tu poses ce soir. C'est donc, vrai. Ouais. Ouais, ça fait une de plus que Chichi, donc c'est bien. Donc, vas-y. Donc, ouais, c'était il y a plus d'un an. Je faisais un tournoi au Cercle Clichy. Ouais. Et je termine avec Romain, donc le capitaine. On termine, on fait bulle TF, on termine 10e et 11e.
Donc dans la détresse, on se rejoint, on se parle, etc. Quoi. On pleure un peu, on se câline. Exactement. Un tournoi qui aurait arraché d'ailleurs. Pour, ouais, bah, ça, c'est... pour changer. Hein, bah, s'il était là, c'est normal. Pas besoin de préciser. Ouais, donc on fait tous les deux bulles TF en gros, et donc après on discute, on échange et tout, on garde les contacts. Lui, Romain, il connaissait Guillaume, le souilleuse, donc il l'a ramené dans la team, et moi de Club Poker, je connaissais Pedro et Loïc. Donc voilà comment l'équipe s'est montée, quoi. D'accord, donc j'avais jamais pas, vu vous n'êtes pas des potes genre de longue date, quoi. Ouais. Non. Après, moi, Loïc, on fait des sessions Ça sent quand même un peu l'équipe qui a envie de se monter, mais qui a... Voilà, il faut trouver des gars, quoi. Il faut combler les trous. Ouais, ouais, bah c'est vrai. C'est qui un peu la... C'est le principe de... Tu peux le dire aujourd'hui, c'est qui un peu la faiblesse de cette équipe? Il n'y a pas. Il n'y a pas, ouais. Donc, en général, c'est toi, c'est lui. Ouais, c'est forcément moi, ouais. Lui. Il y a moyen, hein. Toi, Tapi, tu l'as pas joué, tu peux pas jouer, tu joues plus toi au poker. Je joue plus beaucoup au poker, mais King 5, je l'ai quand même fait pas mal de fois. Ouais. T'as monté déjà ton équipe là pour la... parce que là, King 5 ça reprend là. Bah, figure-toi quoi, c'est ouais. Je suis en train de la monter. Ouais. Ah vas-y, c'est qui la team? Il y a des grands noms là, Là, c'est toi un peu là, le maillon faible. Gabi, c'est Gabix déjà. La team des monteurs. C'est pas encore, c'est en cours. Il y a Aurélie. Pour l'instant, c'est toi et Aurélie. Il y a Aurélie Quelin. Aurélie Quelin. Ah. Ouais. Ok, d'accord. Donc ok, le mec tape dedans. Il y a Alexandria. Bah non, il y a Soli Franco. Alexandria, il a pas. Il y a Soli Franco. Il a pas le droit. Alexandria. J'ai pris Cali Dusso. Il a pas le droit, mais sinon il viendrait. Alex, il a pas le droit du coup. Ah, il a pas le droit. Bah non. Ouais, merde, non, putain, c'est une bête. Serait mal vécu. T'imagines, il chippe le truc, c'est un peu bizarre. On est en train de la monter, voilà. D'accord. Bon, pour l'instant, t'es juste avec Aurélie Kellin. Hein. Au coquin. Non, mais il y en a d'autres, mais j'ai pas. On l'a fait. Tu peux pas les donner. Vraiment le dire encore. Oh, le cachotier, il y a Benjo. Benjo, il peut pas, mais. Ah, c'est vrai, putain. Bon bah oui, non bah du coup il y a. Mais moi, je peux jouer. Il y a pas de soucis. Oui, parce que au final, toi, c'est quoi ton statut au final? T'es freelance, donc. Oui, je suis freelance. Ouais. C'est le mec qui est dégoûté. Ouais, non, je suis pas du tout dégoûté. En plus, je suis très content d'être freelance, donc. Au moins, tu peux jouer sur Wina. Voilà, exactement. Déjà pas mal. C'est quoi tes projets les projets les projets quoi, enfin en fait. Quels sont tes projets Caddy? Caddy volant. Super Caddy, c'est quoi tes... On est au top en sur tous ces pseudos bizarres, genre, tout le monde s'appellerait 77, ce serait plus simple. Hein. Je sais pas en fait les dans l'immédiat, c'est compliqué parce que genre je sors vraiment de ce film et ça m'a pris énormément de temps. Donc j'ai pas forcément. Combien de temps ça te prend? C'est dur à dire en fait. En gros, j'ai commencé à bosser pas mal au mois d'août parce que on voulait sortir le film en septembre. Et c'est presque ça. Ouais. Ah, deux trois jours près, on y est. Hein. Exactement. Et quand on m'a dit que ça allait sortir en janvier, du coup. Bah, du coup, t'as rien foutu jusqu'à décembre. Exactement. Ah, parce que en fait, là comment ça se passe, c'est que on te donne un peu un calendrier, on te dit en oui, fait bah, non, le film sortira en janvier. Oui, mais bah, en gros, il y avait une. On veut le sortir pour le King 5, quoi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, bah, je savais que c'était en janvier, donc j'avais plus le temps. Donc, bah, tu sais ce que c'est, hein, quand t'as une deadline. Ah, t'as traîné en caleçon. Tu les as fait tes matinées, rien branlé. J'ai un peu traîné, et puis, enfin, disons que ça. J'envoyais une version, on me disait ce qui allait, ce qui allait pas, et puis je retravaillais, et puis je me suis qui vraiment. Ton interlocuteur? Bah, Benjo et Mathieu, qui est directeur de la com chez Wina. Mathieu Durand? Mathieu Pourri. Ah, Mathieu Pourri. Mmh. Il n'y a que des Mathieu aussi, on a le droit de se tromper, putain. Et donc, voilà, et après, c'est vrai qu'au mois de décembre et au mois de janvier, j'ai bien cramaché pour finir à temps, et ça s'est fini la veille, quoi. Alors, du coup, ça m'a... Tiens, Benjo, viens, deux secondes. Oui, toi, c'est toi. Il n'y en a qu'un. C'est qui c'est... Parce que, du coup, Benjo, c'est ton interlocuteur. C'est quoi... Tiens, mais il y a un petit casque devant toi. Bonsoir, Benjo. Salut. Je vous écoute depuis tout à l'heure, vous êtes vachement drôle. Là, putain, c'est ma première fois que je viens, c'est pas mal cette radio. Vous parlez d'autre chose que de poker. Tu peux rester. Par contre, vous auriez pu regarder le film avant. Je l'ai regardé. Je t'explique. Je peux avoir ma ligne de défense. Non, pour le coup, c'est vrai, okay. il a j'ai une expliqué, belle J'ai expliqué. Donc, je l'ai téléchargé. J'étais trop content. Je m'ai fait. Tu sais, je fais mon train. Illégalement alors. Je prends mon. Oui, bah oui. Tu pensais pas que j'allais le télécharger. Bref. Non, je l'ai téléchargé. Je me mets dans le train là pour le regarder tout tranquille, tu vois, c'est mon petit moment kiff. Et là, on arrive à Dijon et il y a Ziad Farhoud qui monte à Dijon. Qu'est-ce qu'il fait à Dijon? Comment c'est possible? S'il te plaît, si tu veux inventer une excuse, il y a pire. C'était quand ça? C'était tout à l'heure. En fait, et du coup, on a discuté pendant une heure et demie.
Et puis c'est marrant parce que j'ai vu des selfies de Ziad Farhoud. Non, t'as pas la fin, t'as pas la fin. Il était pas dans le train. si, il était à Beaune même, je vais te dire. Donc non, bah du coup, je le regarderai demain. Ça sera plus pratique. Moi je l'ai regardé. Non, c'est vraiment... Moi je l'ai regardé. J'ai même rendu hommage à Caddy pendant son film. Ouais, Caddy. Ah putain, pourquoi je veux l'appeler absolument Caddy? Non, mais ouais, t'as bien regardé, mais je pense que t'as regardé autre chose. Si t'as regardé le film de Super Caddy, c'est vrai, vraiment, il n'est pas encore sorti. La recette du Welsh sur cette chaîne YouTube. C'était de Webmaster qui mange 3 minutes Welsh. Du coup, toi, t'as reçu les premiers jets? C'est toi qui renvoie un message. Je suis triple à la figure. C'est ça. Ne nous lance pas dessus. Non, c'est pas terrible là-dessus. Tu peux en refaire un autre. Du coup, tu reçois les premiers essais. C'est quoi un peu les retours, les premiers, enfin quand t'avais les premiers essais justement, qu'est-ce que tu peux reprocher à Victor? Bah, je reproche rien à Victor, c'est Victor qui vient de voir et qui te demande de lui faire des reproches. Donc moi, d'accord, je suis bien embêté, tu vois, je regarde bien le truc que je fais. Ta chemise, c'est pas ouf, l'étalonnage. Vous devez le connaître aussi bien que moi, Victor, il fait des trucs super, mais il est pas sûr de soi. Il veut que tu lui dises que c'est nul, et là, c'est seulement là qu'il est content, tu vois. Donc, il faut pas lui dire que c'est nul, parce que s'il est nul, parfois, il est vraiment déprimé. Il faut lui dire, c'est génial. Peut-être que... Il faut rien lui dire, en fait, parce que c'est lui qui est pas content. Je connais Caddy, mais c'est qui, Victor? super volant. Super Victor. Bah non, mais bon, le truc, voilà, c'est Winamax qui a eu l'idée de filmer le King Fight, parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, on n'avait jamais fait filmer l'équipe qui gagne. On s'est dit, tiens, bah, comme il y a Victor qui va être à Vegas cette année, ça pourrait être bien, et comme il a dit tout à l'heure... on ne savait pas que ça finirait avec un film d'une heure et demie, mais il y a eu de la matière, il y a eu des... De toute façon, c'est le même prix. Il y a eu des gens cool, il y a eu un peu des deep runs, c'est pas tous les ans le cas. C'est ça qui est marrant quand tu lances un truc comme ça. Ben, il faut chatter un peu. Tout le monde buste au day 2, tu vois. Buster au day 1 du main, c'est assez dur quand même, j'ai l'impression, même s'il y en a qui arrivent, mais ça aurait pu aussi se terminer au day 2. Je disais qu'il y a certaines années, le King 5, voilà, tu mets les 5 mecs sur le main event, il se passe strictement rien, quoi. Il y a énormément de variance aussi, quoi. Bien sûr. On attend encore le mec qui va faire table finale. J'espère que ce sera une année où il y aura quelqu'un sur place pour filmer. Vous avez déjà chatté le mec qui se qualifie sur une épreuve du Winamax Poker Tour et qui gagne. Ouais, à partir de ce moment-là, chaque année. Franchement, c'est bon. Acheter chaque année, quand même. Non, mais après, voilà, les retours qu'on a eu avec Victor, c'était sur le rythme, l'enchaînement des séquences, enfin rien de bien compliqué, quoi. Moi, c'est pas moi qui fais le film, tu vois. Donc, mais oui, au final, tu donnes un point de vue de spectateur en disant, tiens, là, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas très bien. Peut-être qu'il faudrait accélérer. Là, il y a telle ou telle longueur. Mais la version finale du film, par rapport au premier truc qu'il m'avait envoyé, il y a pas tant de choses qui changent que ça, il secoue la tête. Il n'est pas d'accord. On est quand même passé d'une heure 22 à 1h21:30. Je pense que c'est vrai et pas vrai. Parce que, en gros, quand tu le montres à ce moment-là, effectivement, t'as envie qu'on te dise ce qui va pas, t'as envie qu'on te fasse des remarques. Mais surtout, toi, tu sais qu'il y a encore beaucoup de travail. Et des gens qui le voient et te disent c'est bien. Ils disent, oh, c'est bien, on le sort comme ça, tu vois. C'est... Parce qu'ils n'ont pas le regard d'un gros comme toi, ils n'ont pas ton regard. Ils n'ont pas dit ça, tu vois. Ils m'ont dit, justement, Benjo, il m'a dit plein de trucs, plein de remarques. Mais c'est juste que toi, tu sais qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et que pour l'instant, tu as laissé parce que tu n'avais pas forcément trouvé de solution pour que ça soit mieux. Et donc, tu sais globalement qu'il reste encore beaucoup de taf, quoi. C'était quoi le plus dur, genre? Parce que t'es tout seul, on voit un petit peu un moment quand on te filme avec le téléphone, donc on voit un peu que tu as l'appareil, tu as le micro. C'est quoi? C'était le son un peu le plus dur à gérer, je suppose, parce qu'il y a... beaucoup d'endroits, où, genre par exemple dans l'Amazon, etc., où il y a plein de bruit, c'est super galère. Techniquement, effectivement, au niveau du son, c'est compliqué. Au niveau, il y a pas mal de trucs compliqués. Parce que là, pour le coup, avant, t'avais une perchiste, quoi. T'avais Angie qui était là. Angie, elle filmait. Non, aussi. C'est arrivé sur certains projets que j'ai une perchman, mais. Pour Nosebleed, par exemple, j'étais dans les mêmes conditions, en fait. J'étais d'accord. Tout seul. Ok, donc c'est prise de son à la caméra. Ouais, prise de son à la caméra. Il y en avait certains qui avaient un HF. Ok. Le problème, c'est qu'ils étaient 5, quoi. Donc, quand ils étaient 5, je pouvais pas mettre 5 HF, quoi. Donc, du coup. Pourquoi? Parce que j'en avais qu'un. C'est une bonne excuse. Non, mais déjà aussi, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées techniquement parce que, par exemple, tu filmes les mecs en train de jouer, donc ils ont pas de HF, et quand ils viennent te voir après avoir bust,
tu vas pas faire coucou, je te mets un HF, machin, tu vas me parler, ça va être bien. Et là, tu leur dis pas. T'as envie tout de suite de capter ce moment. T'as pas envie de leur dire, me saoule pas, je suis pas couvreur. Non, non, pas alors. Trop. Moi, ça me dérange pas que les gens ils me parlent quand ils. Ouais, ça te fait rire les gens qui bossent, toi t'aimes bien. Non, ça peut pas rire, mais c'est des moments forts et c'est juste. Oui, juste que je sais que des fois ça peut les saouler, mais que ça va être beau aussi dans le film, tu vois. Et les moments, il y a des moments forts quand ils doublent, quand ils machin, mais quand ils bossent, c'est très beau aussi. De toute façon, c'est les moments forts en émotion. Le moment, moi j'ai bien aimé le moment où. Alors, putain, j'ai plus son nom en tête, mais quand il fume sa clope et qu'il est dehors. Avec son écharpe noire, le grand Romain, ouais. Voilà. Quand il buzz, ce moment, tu sens, il a envie de te parler un peu d'un côté, il est pas à l'aise, etc. Et toi, tu te sais pareil, ça va être assez compliqué un petit peu d'être dans ce moment-là, de pas trop prendre de place pour pas lui gâcher son émotion qui est très forte à ce moment-là, quoi. En fait, t'as envie d'être là sans être là, quoi. C'est juste que tu veux qu'il se confie à toi, mais t'as pas envie de les saouler, quoi. C'est clair que tu sais que c'est un moment fort pour eux et tu sais. Brague entre guillemets, comment c'est dur de buzz du main, et pour le coup, bah quand t'es là juste avec ta caméra genre à 50 cm d'eux, tu sais que ça peut être dur pour eux. Après ils jouent le jeu depuis le début, ils sont laissés filmer tout le temps, donc ils vont pas te dire non à ce moment là mais c'est juste que voilà, t'essayes de pas être trop envahissant, quoi. Victor m'a expliqué le truc qu'avaient les flambeurs quand ils voulaient pas que Victor filme, quand ils voulaient que Victor coupe. Je sais pas si tu. Tu mets une clope, tu mets. Non, il se mettait à parler des sujets sensibles Winamax. Ah oui, d'accord. En fait, les bots sur Winamax. Du coup, la séquence était furieuse. Ouais, c'était assez énorme. J'ai plusieurs moments où ça commence à parler des bots. Et... Mais ils me l'ont jamais fait quand ils sont sortis du main, par contre. Ouais. Heureusement pour toi, ils voulaient parler de choses. C'est vrai que si Batmax gagne le King 5 cette année, ça va être compliqué. ça peut être problématique. Une petite question justement pour rebondir sur ton scene break du fait que t'as dit prenne aussi le main. Est-ce qu'ils t'ont demandé des conseils parce qu'ils savaient très bien que t'avais joué le main? Est-ce qu'il y en a qui t'ont demandé des petits conseils pour peut-être pour le début, comment se comporter ou pas ou... Pedro, il en a demandé, je crois. Ben en fait, pas besoin de demander. Victor, il était tellement content de nous apporter son expérience, tu vois, ça venait tout seul. Il avait pas besoin de demander, en fait. Il t'a dit qu'il avait fait table télé ou pas? Non sûr, avec des granous, avec des granous. Plusieurs fois, oui. D'ailleurs, t'as recroisé, parce que l'expérience de Victor, elle nous a beaucoup servi. En vérité, l'expérience de Victor, elle nous a beaucoup servi. Plusieurs fois, il posait sa caméra, il nous disait, écoute, ce que tu viens de me raconter... Je sais ce que tu vis, je l'ai déjà vécu. Moi aussi, je me suis déjà fait bluffer. Et ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et alors, au final, ça a beaucoup apporté. Ouais. Beaucoup d'expérience, ouais. Bien sûr. Ouais. En fait, pour revenir là-dessus, c'est genre... Donc Pedro, quand il était tout seul et quand il était encore au D4, au D5, moi, j'ai vécu un moment assez dur au D4 où, en gros, j'avais monté beaucoup de jetons et j'avais perdu un coup qui m'avait vraiment atteint mentalement. Et genre, c'était très dur à vivre, tu vois, ce moment-là où tu commençais à imaginer que tu pouvais bust, alors qu'en fait, t'avais vraiment, avant, pas du tout imaginé que tu pouvais bust. J'avais monté à peu près comme lui, tu vois, genre 1,8 million, 1,9 million. Je m'étais dit, putain, je peux plus bust et tout, c'est impossible. Et genre, à un moment, je me suis senti trop mal, tu vois, et genre, je commençais à, tu sais, à plus savoir où j'étais, à perdre plein de petits coups et machin. Et j'avais l'impression qu'en fait, il revivait ça, Pedro, à certains moments. Et genre, du coup, je voulais lui dire, tu vois, parce que j'avais pas envie qu'il buste et qu'il fasse comme moi, tu vois. Enfin, et donc, je leur en parlais. Après, je t'avoue que je leur parlais pas beaucoup de ça parce que j'ai pas vraiment de conseils à leur donner. Mais c'est juste des fois, quand tu les vois au fond du trou, ou triste ou machin, et tu te dis, c'est ce tournoi-là, il faut surtout pas buste, t'as envie de leur parler, quoi. Donc, je le faisais pas beaucoup parce que quand ils commençaient à me parler de ça, je pouvais pas le mettre dans le film, de toute façon. Donc, voilà, je le faisais de temps en temps, je leur parlais, mais. Je ne leur donnais pas vraiment des conseils, juste... Après, ça aurait pu être aussi un point de vue du film intéressant. Ouais, mais c'est un truc qu'à un moment, j'ai envisagé, mais qui était impossible, en fait. Parce que les gens, ils ne savent pas forcément... Ils savent pas ce que ils savent pas forcément, tu vois, ils voient un film... Tu aurais dû expliquer que tu avais dit preuve. En fait, que... c'est trop compliqué, ça, c'était lourd, en fait, ça ne rentrait pas du tout dans le film. Et il y avait des fois où, tu vois, par exemple, Pedro, à un moment, il me dit alors je t'ai battu maintenant, tu vois, et c'était cool, tu vois, et ça passait bien. Mais en fait,
personne savait combien j'avais fait, tu vois, il y a pas l'histoire avant et ça marchait pas. Pourtant c'est vrai que c'était bien, tu vois, c'était cool parce que c'était que ça lui faisait plaisir, tu sais, d'avoir fait mieux, c'était marrant quoi. Pedro, toi ce moment avant un petit peu de perdre des jetons où tu es vraiment très bien, tu as monté un gros stack, tu sais, un petit peu quand tu te sens dans la zone, surtout en live, c'est impressionnant ce sentiment. Est-ce que sur le main event, c'est une sensation particulière, on commence un peu à se faire des films, on a l'impression déjà de toucher les millions du doigt ou pas du tout, tu es focus et tu pensais pas du tout? Non, j'y pensais pas du tout. Je pensais juste table par table, en fait. Dès que j'avais une bonne table, que j'étais le capitaine de la table, je me disais, bon, ben, c'est bon, je bouge pas d'ici. Je suis bien à ma place. Ce soir, j'emballe les jetons, je bouge pas d'ici. Ouais, l'important, c'est les trois points, quoi, c'est ça. Et les fois où ça se passait un peu mal à la table, et ben, juste tu te fais petit, tu regardes l'heure, tu essayes de passer la journée. Mais jamais je regardais vraiment les prize pools, les millions ou quoi. Je regardais juste la fin de la journée, seulement, en fait. Juste voilà, jour par jour, en fait. Tu peux me raconter la bulle? Parce que la bulle du main event, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Un grand moment, en fait. C'était génial. J'ai jamais vécu une bulle comme ça, en fait. C'était la fête, tout d'un coup. Genre, moi, j'ai pas changé de table de toute la journée. Donc, toutes les 10 premières heures de la journée, j'étais en guerre contre tout le monde. C'était la guerre, c'était dur. Tout le monde avait les visages fermés, tu vois. Et à la dernière heure, quand la bulle explose ou quoi, ben là, tout le monde se met à parler, à rigoler, à échanger. Tout d'un coup, il n'y a plus d'esprit de guerre. Moi, j'aurais pu rouler sur la bulle à ce moment-là. J'avais beaucoup de jetons, mais je ne l'ai pas fait juste parce que j'étais en mode content, quoi. C'était plus un tournoi de poker tout d'un coup, tu vois. C'était... Tout d'un coup, c'était, c'est bon, on gagne tous 15 000 dollars, on prend tous des bières, on va se coucher, on revient demain, quoi. Tu vois. C'est D3 ou D4, la bulle? D3, fin de D3, D3, ouais. Du coup, tu passes la bulle avec genre t'es pas inquiété niveau jetons, t'es bien? Non, pas du tout inquiété, non, je suis très bien. Ouais. Vous êtes combien? Vous êtes deux ou trois à passer la bulle, je crois? Ils sont deux. Ils sont deux, ouais. Dont un qui passe avec très peu, quoi. Ouais. Par contre, je pense que quand tu passes la bulle avec très peu, là, par contre, c'est vraiment t'as une espèce de tu respires à nouveau. Enfin. Après, il était sûr de passer en foldant toutes les mains, tu vois, mais il avait quand même le gros stress, tu vois, genre à 100 de la bulle, il était vraiment en stress, quoi. Sans de la bulle, c'est long, non? Ouais, ça va assez vite sur le main event quand si même. Si t'as une vingtaine de blindes, ça passe, ouais, parce que ça va très vite vu qu'il y a 1100 payés, donc ça fait plus de 100 tables. Il y a forcément des mecs qui ont 5-6 blindes ou des mecs qui ont. Il y en a plein. Attends, je me rappelle, Benjo, tu l'as jamais joué le main event? Non. C'est un de tes rêves? Ce serait cool, mais non, ça fait pas. C'est pas un rêve. Non, mais c'est un tes rêves pokeristiques alors. Non, mais de toute façon, c'est pas mon émission. Mais... non, mais parce que ça. Non, mais en fait, je me chierais de tous les gens qui sont ici, c'est ce celui qui a de l'argent gâché. T'avais dit la même chose quand t'avais joué à un EPT et que t'as bust avec Breland, mais. tu regrettes. Tu vois, voilà. C'était il y a 10 ans. C'est plus mon rêve, je l'ai déjà fait il y a 10 ans. Mais c'était un EPT. Non, mais c'était cool de regarder en fait. Ouais. C'est cool de regarder Victor filmer les mecs. Non, mais parce que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est la spécialité des coureurs de un jour passer de l'autre côté. Mais comme tu fais jamais pareil que les autres, à un moment, toi, tu vas être le seul à jamais le jouer. Non, je vais jouer là 1 000 $ et je vais gagner le bracelet. Ce sera plus efficace. Bah, écoute, ce serait pas mal. C'est noté. C'est trop précieux le main event. C'est trop. C'est sacré. J'arriverai pas à jouer un coup. Même avec les as, j'arriverai pas à bien jouer. Tu vois. Je préfère juste regarder. Tu fais tapis si t'as les as. Et d'ailleurs, Victor, t'as recroisé des gens que t'avais joué pendant le main event qui t'ont vu, mais du coup, t'étais derrière la caméra. Ouais, bah, j'en croisais pas mal, mais j'essayais de caser à chaque fois un petit brag quand je les voyais, mais ils me souvenaient pas. Daniel, ils me souvenaient pas de moi. J'ai joué le main event. Ouais, mais général, super, on est 8000. Mais j'en avais, ouais, j'en voyais plein, mais. Ils se souvenaient pas trop de moi, tu vois. Et puis t'es là, de toute façon, les couvreurs, les gens les voient pas en général. Il avait une fausse moustache et une perruque, tu vois, pour pas qu'on. Ils disaient, ouais, ils vont penser que je suis broke et tout. Non, mais Negreanu, je leur vois pas mal de fois. Ils se souviennent pas trop de moi. Je fais des interviews. Quand tu dis pas trop, c'est pas du tout, non? Pas du tout. T'avais pas trop. T'as pillé quelque chose, non? Ouais. Non, mais pourtant, il avait fait ses devoirs quand tu étais en table télé avec lui. C'est vrai, ouais. Il avait dit I know. Non, mais je me dis souvent quand même, je sais pas pour Benjo, mais je me dis souvent qu'en fait, ils doivent tous savoir qui on est en fait. Mais c'est juste qu'ils nous le disent jamais, ils nous disent jamais bonjour. Mais genre, en fait, ils nous voient tellement en fait. Ils nous voient sur tous les tournois. Toi, quand tu vois les couvreurs, bah, tu sais moi, que. Je leur chie dessus, moi, déjà, pas normal. Mais, pas, en fait, ils doivent tous nous connaître, mais c'est juste que voilà, ils sont. Après, ils voient tellement de monde, ils font tellement de live, tu vois, je sais pas. Ouais, mais bon, t'es. Enfin,
C'est un peu on comme... est quand même planté là comme des connards ouais, pendant 12 heures de suite. Pendant beaucoup, c'est un peu, ouais, je sais pas, que, temps, ouais, ton prof, tu t'en souviens, tu vois. Je dis pas qu'on est leur prof, mais... Sin brague. Quand bon, ton maître, tu t'en souviens. Quand il y a 30 personnes et qu'il n'y a qu'un prof, on s'en souviens. Tu vois. Tu lances quand pareil, ton site de coaching, c'est la mode en ce moment. Donc ouais. Tu veux pas lancer ton site? Je vais mettre ça avec Ju Poker. Ah, justement. Justement, attends, mais... Oh, quel pont d'or. Quelle transition. Quelle transition. Non, mais on va être obligé d'en parler, puisque tu as fait une interview... Une interview mythique. Ça, je l'ai vu celle-là. Et plus d'une fois. Tu vois comme quoi, reporter l'investigation. Et plus d'une fois. Est-ce que tu sais de qui on parle, Benjo? Bah justement, Ju Poker. Je suis en train de me redresser. Je connais pas. Bien écouté. Tu connais Ju Poker. Le phénomène. Vaguement. Oui, mais oui. Je suis un peu. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est un scammer? Est-ce que c'est un scammer? Ouais. Bah, il y a pas de photo. Il y a pas de photo. Évidemment. Est-ce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit. Salut Club Poker. Il dit quoi? Parce que je l'ai passé 5 fois, j'arrive pas à... Bisous Club Poker. Ah voilà. Club, le club. Le club poker. Non, c'est marrant parce qu'en fait, on est dans une période où en fait, le nombre de coaching, de sites de coaching sur Tipeee, j'ai vu que Valentin Messina a sorti aujourd'hui son site de coaching. Alors attends, Valentin Messina est légitime par rapport à Poker. Il y a Fowan aussi qui lance son mais, site. Mais on est dans une période où tout le monde sort un petit peu son site de coaching. Ouais, attends, et là, t'as un mec, en fait, t'as le random mec là, qui sort un héros sorti un de truc, nulle part. Et en fait, tu te demandes si c'est vraiment un scam ou est-ce que lui il y croit et qu'il il croit qu'il. Je pense qu'il y croit, mais c'est évidemment un scam quoi. Il a pris ses cours pour les faire passer pour celles de quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est vrai, il avait des faux avis. Ça mène très loin ça en général. Non, c'est pas des faux avis, c'est ses propres avis en fait. Regarde, le dernier qui a fait ça, il a fini. Coucou non, Julien a... Martini. Ouais. Bon, ça va, c'est oublié si tu veux venir à la radio. Il y aura Nori à côté. Moi je lui fais des bisous à Julien. Vraiment. Donc Non, c'est... il fait ça, il achète des vues, il vend des trucs sur un domaine dont il connaît absolument rien. Il achète de la pub sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ouvre YouTube et je vois. Moi, quand je vois ça, non, mais moi, ça me donne limite envie de l'acheter, quoi. C'est comme ça que j'ai passé un bon moment, quoi. Et donc, il y a quelqu'un sur le Club Poker qui a lancé un topic pour demander si c'était un scam. C'est ça le. Ouais, c'est ça. Il y a une dizaine de jours sur YouTube, mais c'est impressionnant. Il a été. Du coup, enfin, moi, j'ai vu plein de monde, même des gens qui n'étaient pas du tout du poker, qui sont tombés sur sa pub. Donc, il a dû envoyer quand même pas mal d'oseilles sur YouTube. Ah ouais, il a payé des publicités et tout pour que ses vidéos passent et que. Putain, mais moi, c'est vraiment, je vous voulez pas qu'on se mette à plusieurs et qu'on prenne un abonnement. On y a pensé. Voir ce que ça donne, quoi. C'est. Ouais, mais tu sais déjà ce que ça doit donner, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai vu cette pub-là, j'avais jamais entendu parler du mec. Je me dis, enfin, c'est forcément un scam. Avec les petites cartes collées au mur. Est-ce que t'as déjà vu une vidéo où il commente un coup de poker? J'ai vu la vidéo où il a commenté le 1 million. Il commente l'expresso 1 million. L'expresso 1 million. En fait, il explique ce qui se passe. Voilà, il y a un mec qui relance avec Roi 5. Ah ouais, il défend là. Bah là, il fold. Et en fait, tu dis, c'est ça. Ouais, comment tu l'as croisé? Je l'ai croisé en fait. On va pas faire 1000 ans hein, sur Ju Poker, mais ça m'intéresse. Moi, je savais pas qu'il y avait un rapport entre vous deux. En fait, il l'a croisé dans un. Non, rapidement, en fait, moi, mes parents habitent en Bretagne et je vais souvent les voir. Et quand je vais les voir, je vais grainer au casino de Pornichet, là où il est prétendument reg. Oh putain, là tu. Ah, mais moi, je pensais qu'il était dans le nord en fait, pas du tout, il est en Bretagne. Non, c'est en Bretagne. Ok, en fait, il a fait tellement. Oh, mais c'est un énorme cassos, il doit venir du nord. Il était dans le nord. Donc. Il sait pas parler, c'est un casse-tête, il doit venir du Nord. J'avais dit sur le thread justement que le poker, ouais, bah si un jour j'y vais et que je le croise, je vous promets un petit cadeau quoi. Il devait être tellement content. Et donc un soir j'y vais, je vais pour jouer, hein, etc. Est-ce que tu le vois déjà, ça embellit ta soirée déjà? Non, mais il sait qu'il va se grand plus, sourire. Il va se prendre plus sang sur le Club Poker. Je sais qu'on va se marrer quoi qu'il arrive, ouais. Je sais pas comment ça va se terminer, mais je sais qu'on va se marrer. Et donc je le vois, et il joue sa session, moi aussi, etc. Il finit gagnant ou pas? Ouais, il finit gagnant, ouais. Oh putain. Et t'as mis t'as été à sa table ou pas? Parce que je crois que dans non, le poste, tu dis table que t'as... D'à côté, ouais, voilà, t'as grave attendu après, et finalement t'as pas eu de place, t'as pas voulu bouger. Ouais. Après, je me suis pas fâché, je suis resté à ma table, qui était d'ailleurs super belle. Enfin, casino de Pornichet, c'est vraiment... c'est un zoo, quoi. On a compris, j'ai pas tout donné pour aller à sa table. Juste, je l'attrape en fin de soirée, je lui fais « Est-ce que ça te dit de faire une petite interview pour Club Poker ?» Et là, il fait « Ah ouais, trop bien et tout, machin. » Et donc, voilà, après l'interview se passe de commentaires, je pense. T'as pas voulu nous. On sent que tu le durais trop le truc, ça dure 30 secondes, ça dure 30 secondes. À la fin, j'allais avoir des remords, je voulais clore le truc, tu vois. Enfin, c'était marrant de faire un petit truc, je voulais pas non plus aller trop loin, tu vois.
Ouais, tu voulais. Ouais. Je suis pas méchant. C'est, fin... Non, non, au final, c'était, ça, c'était ça, d'être drôle. Ouais, c'est ouais voilà, c'est pas, ça. Mais pas de, que voilà. Le mec soit mal à l'aise. Non, exactement. T'as juste mis une vidéo pour le mettre en pâture devant un site où il y a 30 000 personnes. Bah, ça va, c'est pas méchant. Je lui ai annoncé, je lui ai dit, est-ce que je peux te prendre en vidéo, ça sera, je la publierai sur Club Poker. Il a dit pas de c'était pas du poker est-il malaisant, quoi. C'était pas de l'humilier ou quoi. C'était juste de marrer un peu et de faire marrer les potes, quoi. C'est donc pas ça de l'humilier, quoi. C'est non, juste faire marrer les potes, quoi. Ouais. Bon, merci. Mais vous avez, bah, merci vous avez parlé un peu, après, un peu en off, vous avez parlé un peu poker ou juste pas du tout, t'as juste fait l'interview et stop. Non, voilà. Je vais pas parler poker avec lui. On sait jamais, t'aurais pu lui demander une analyse de main. T'aurais économisé 67 euros, ça. Non, par contre, j'y ai pensé et j'aurais aimé à la fin lui demander genre un petit détail de son plan de coaching, là, qu'il fait, qu'il m'envoie juste pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Bah, vraiment, c'est très, très détaillé. J'aurais aimé voir, mais après, moi, je te l'envoie si tu me files 67 euros. C'est, on règle ça après. C'est, je crois que c'est 67 euros que tu paies en. Non, c'est en une fois, trois fois, je sais plus. Et il aura, ah, faudrait dire son site. On n'aura jamais autant parlé de lui. Ouais. Je vous promets, on parlera plus de lui après. Non, bref, après, j'ai continué. Le nombre de vues va monter en flèche. Hein. Les gens vont prendre des abonnements. Mais à c'est sûr. De cette mais de toute façon, c'est sûr. C'est comme ça. Moi, en fait, non, tu fais, en fait c'est très polarisé. En fait, tu regardes une vidéo YouTube parce que soit elle est très bien, soit elle est très pourrie. Chez les moyens, bon. Oui, mais là, tu t'en fous. La vidéo YouTube est gratuite. La formation, elle est payante. Enfin, là, il y a un delta entre aller payer, tu vois, et te marrer dans une vidéo gratuite. Pas des mots que tu ne peux pas. Il n'y a pas de delta. Si, bien sûr qu'il y a un delta. Il y a un delta. Il y a un delta du Rhône. Ouais. Delta plane. Gibraltar. T'es meilleur que moi. Pedro. Gibraltar, c'est Détroit. Pedro, pourquoi t'es à Marrakech? Detroit, on dit Detroit. C'est pas Détroit. Je suis américain. Bah parce que je me cache, je suis un peu SDF, je sais pas trop où habiter. Donc là j'ai un copain à Marrakech, donc c'est je suis story. Chez mon copain et voilà quoi. C'est quand même le mec qui a été le plus loin des 5 du King 5 qui est SDF. C'est ça. qu'est-ce que t'as fait de l'oseille? Ça fait de l'oseille. J'ai beaucoup redistribué. Hein. J'ai beaucoup redistribué. Je suis allé jouer le PT à Barcelone. Ah oui, t'as vraiment redistribué. J'ai pas le temps moi. Raconte-nous un peu. Soupé Marrakech, là j'ai donné aussi. Dublin avec Alex, c'était vraiment bien. Les trucs organisés par Winamax, là, WPO Dublin, j'ai tout joué. Bilan financier négatif, bien sûr, comme souvent. Ah, ton pote derrière toi se fout de ta gueule. Hein, Et voilà, je perds beaucoup quoi, depuis. Voilà. Bon bah ça va. Du coup, je perds beaucoup d'argent, mais je garde beaucoup de bons souvenirs. Bah, c'est le plus important. Ah, bah, c'est... Et ah, à la fin, c'est ça qui reste. Attends. Et à 50 000 $ le souvenir, ça vaut le coup quand même. Hein. Et t'as pas laissé une petite partie à Vegas, Pedro? À Vegas, quoi donc? T'as pas laissé une partie de l'argent là-bas? Non, mais j'ai gardé 13 000 $ en espèces pour cet été quand même. Oui, alors justement, vous recommencez le King 5 là? Ouais, on s'est réinscrit avec la même équipe. Ok. On va tenter le doublé. De toute façon, c'est l'année des doublés. Donc là, Aladdin qui a refait la Top Shark. A priori, ça devrait passer. Est-ce que vous pouvez lâcher des conseils quand même pour ceux qui se lancent? Peut-être qu'il y en a qui se lancent pour la première fois. Absolument pas. Donne-moi un petit truc là. Bon, attends, moi j'ai un conseil. Soyez là tous les mardis. Jouez-le tout le temps. Non, mais c'est un bon conseil. Il y a pas beaucoup de conseils à part faut juste que les 5 mecs de l'équipe soient motivés, soient là tous les soirs pour et qu'ils vraiment se donnent les moyens. Tous après, les soirs carrément. Le mec. Non, enfin tous les mardis soirs. Après, faut vraiment avoir de la chance dans les premiers stades et se donner à fond pour les derniers. Et la communication entre vous, moi c'est ça qui m'intéresse. Étape après étape, c'était tous sur Skype à discuter ou peut-être même dans la même pièce, je sais pas. Non. En gros les tout premiers stades, là, 1, 2, 3, etc., on faisait le King 5 pendant notre session classique. Vous êtes passé à chaque fois large pendant les stades? Non, on a eu des repêchages, des trucs comme ça, etc. Donc ça, on faisait pendant notre session, petite tape dans le coin, et on regardait à la fin si on passait ou pas. On s'impliquait, mais voilà. Et c'est plus après qu'on est rentré dans les 300 ou dans les 50, où là, avant, on se réunissait une demi-heure avant, on se faisait un Skype, etc., on se donnait les conseils et tout. Et pendant le truc, on était tous ensemble sur Skype. Et on faisait les calculs de où on en est, est-ce qu'on doit prendre des risques, est-ce qu'on doit jouer plus serré, etc. Quoi. Et comment vous avez fêté ça quand vous gagnez? Ben, on était chacun dans notre coin, donc moi, chez moi il y avait déjà une soirée, donc je continuais la soirée. Okay. Et eux, ça t'emmerde sur ton téléphone. Et après, non, on a bu des coups ensemble sur Skype et puis on est. Apérocam. Convivial. Exactement. Le fameux apérocam. Les soirées Skype apéro. Exactement. 2010. Et quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas de. Si vous ne faites pas le doublé, vous allez à Vegas cette année? Ah, Pedro, oui. Pedro dit oui. Ah, Pedro, oui. Il a pris 13 000 $. Il a 13 000 $, ouais. Bah, il lui reste 13 000, il faut bien qu'il espie ou. Hein. Bah oui. C'est le main event, plus la chambre d'hôtel. C'est ça, c'est ça main event, un burger et. T'as pris le vol déjà ou pas?
Non, j'ai pas pris. Ah, donc il est dans les 13 000 aussi. Prends-le maintenant, ça fera toujours 500 balles d'économiser. Et toi, Alex? J'ai pas dit que j'allais faire le main event avec les 13 000, je crois pas payer. À l'heure actuelle, j'ai même pas de quoi payer le billet d'avion, donc on va attendre un peu. Ok. Bah Pedro te doit de l'oseille, je crois. Du coup, comment ça se passe ton challenge cette année? On va parler de ton challenge. Pas ouf. Non, bah pour l'instant, enfin break even quoi. Moi. Ouais, t'as fait combien de mains? Zéro, non? C'est pour ça break even du non, coup. Non, j'ai joué, je sais pas, 300 tournois, un truc comme ça. Attends, en janvier. Parce que nous, attends, combien il nous disait la semaine. Attends, il faisait 600 tournois par semaine. Il disait qu'il faisait, ouais. Non, c'est, ouais, c'est Hugo. Hugo, c'était 600 par semaine. Ouais. Non, mais moi, enfin, je taffe à côté, j'ai une copine, etc. Ouais, ça va, si tu quittes ta copine, tu quittes ton taf, si tu veux être joueur pro. À un moment, faut mettre les choses de ton côté. Les mecs, ils s'investissent pas. Mais ouais, il n'y a pas de motivation. Ça va. Je connais pas toutes les phrases de Yeux Viral sur Instagram. Donne-toi les chances pour être. J'ai pas la fin. En fait. J'ai pas ces trucs comme ça. Aujourd'hui, ça partait bien. Aujourd'hui, il y a même pas de phrase aujourd'hui. Une meuf allongée sur un avion. Sur on s'en met plus de mettre une phrase maintenant. C'est, voilà. Moi, quand je suis fatigué, je m'allonge sur l'aile de mon avion. Tellement classique. Pour plus, pour se garer à Paris, c'est la galère. Hein. Putain, un avion, mon gars. J'essaie de faire un créneau. En ce moment, j'ai pas trop envie de prendre un biplace, personnellement. Du coup, j'ai. Mais non. C'est nul. Mais c'est Emiliano, si tu nous entends, désolé. Oui. Je m'excuse pour comment je. Mais non, mais c'est vrai, le pauvre. Attends, on parlait de l'avion, t'as pas d'argent. Perdu, t'as fait une blague sur un mort. Vas-y, continue. Une... Oui, non, c'est ça, tu fais. Tu sais quoi ton taf? Je suis ingénieur. Putain, le mec. Oh, ça va. Non, mais... oh, t'as du temps, tellement quoi. Tellement standard. J'ai un peu de temps. On a jamais d'art. Si, on a une artiste peintre, quand même, une fois. Mais ouais, un boulanger, Romain Holmes. On a eu tout le monde, en fait. Qui aurait cru que Romain Holmes, le mec, tu sais quoi ta formation? Boulanger. Ouais. Ok. Moi, il a quand même fait une vanne sur les miches derrière. Hein. C'était obligatoire. Hein. Ah bah, c'était... Je l'aurais faite sinon. Avant de faire notre petite pause, donc projet poker juste à court terme, c'est quoi toi? Projet à court terme, c'est remonter de l'argent pour être gagnant. pour pouvoir partir à Vegas. Ok, donc c'est vraiment l'objectif. Le but, c'est vous voulez tous repartir, même si vous shippez pas le King 5. Ouais, clairement. Vous êtes tous chauds, ouais. Tous, je sais pas, parce que. Il y en a, je sais pas s'ils iront, Pedro, je pense qu'il est très chaud. Et moi, si j'arrive à avoir assez d'argent. Ton objectif, c'est 18 000 c'est ton. Ouais, après, ça, c'est juste pour le, pour le délire, pour dire que voilà, je perds 18 000 sur PS. Ouais, exactement. Je suis quand même up sur PS. Hein. D'ailleurs, j'ai juste une question. T'as gagné le Sunday Surprise en 2017. Ouais. C'était quoi la surprise? J'ai pas gagné la surprise. Pourquoi t'as pas gagné la surprise? J'ai fait l'erreur de delay. Il y a Benjo. Ah, il a delay. J'ai fait l'erreur de delay et c'était un truc genre en Pologne avec des chiens de traîneau et tout et je l'ai pas gagné. Mais chien de traîneau en Pologne? Non, pas en Pologne, non. En Laponie. Mais t'avais dealé pour avoir le plus gros prize des chiens. Ouais, voilà, en gros, j'avais juste gagné le plus gros prix, mais j'avais raté la surprise après. D'accord. Bon, bah, non, mais c'est. De toute façon, je te rassure, les chiens de traîneau en Pologne, à mon avis, c'était pas ouf. Ouais, ouais. Mon avis. Maintenant, c'est toi le chien. C'est toi. Ouais, vodka. C'est toi qui tire le traîneau. Ça m'intéresse. Tapis, toi, sur ton prochain projet. Bah, refaire un film. Ouais, mais du coup, c'est quoi? En haut de l'échelle 2. Est-ce qu'on sait déjà, Benjo, tiens, pour te foutre dans la merde, on sait déjà s'il y aura un épisode 2 obligatoirement, s'il y a des gagnants cette année ou pas? Alors, pour ce qui se passe cette année, je sais pas du tout, mais. On sait rien de ce qui se passe cette année, il va falloir nous donner des nouvelles, parce que là, on sait pas. Nous, alors, on est perdus, on se sent pas bien. Pour le live, c'est imminent, on va bientôt avoir un truc. Ah, d'accord, donc, tu veux pas en parler dans la prochaine émission, si vous voulez. Ouais, non, tu veux pas faire juste nous donner un peu une exclue, c'est genre le Sismix. Réservé du 20 au 26 mai. Voilà. Ok. Et on réserve en Espagne? Ça, tu verras. Tu sauras bientôt. Sous 24 heures, tu le sauras, je pense. Sous 24 heures! Balance l'info! De toute façon, les gens écouteront. Ça sera dans déjà 24 passé. Heures, ils écouteront. Eh ben, ils attendront 24 heures, mais demain. Oh là, putain. Ça va, j'ai déjà dit la date, c'est pas mal. Du 20 au 26 mai. Eh ben écoute, c'est pas mal. Moi, ça tombe vachement bien pour moi. Moi, je suis en train de me dire que aussi, je crois que c'est bon, je suis dispo. Parfait. Tu fais genre d'arrêter dans la merde. Dommage, c'est à Saint-Rémy. Non, mais pour les trucs de Victor. RERB. C'est sur les dernières lignes. Par contre, on a réservé un complexe à Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est génial. C'est la salle polyvalente. Voilà. Il faut réserver, mais on vous dit pas où par contre. Donc, réservez où vous voulez. Mec, réservez. J'ai pris tous les billets d'avion, comme ça, au moins, je suis sûr. Plutôt vers l'Espagne quand même.
Oui, bah a priori, je pensais plus vers l'Espagne que vers Dunkerque. On va pas tout vous dire. Ah bah si c'est Dunkerque, t'auras l'air con. Ah et nous, nous aussi d'ailleurs. Ah la poule partie à Dunkerque, je passe. Le Welsh, j'ai un doute. Le Welsh mix. J'ai un doute. Attention. Non, mais je sais pas ce qu'il va faire Victor sur Vegas cette année. Mais regardez, l'année dernière, il était venu pour entre autres faire le King 5 et au final, on en a pas parlé parce que c'était le truc complètement imprévu. Mais il s'est retrouvé aussi à faire le docu sur Tony Miles. Donc, ah oui, c'est vrai. J'aimerais bien parler du docu sur Tony Miles que j'ai vu. J'aimerais bien qu'il y retourne juste pour ça, pour voir s'il n'y a pas une nouvelle surprise, un truc qu'on n'avait pas du tout prévu. Et puis au final, on se dit bah tiens, ce serait bien que tu ailles faire ça et ça donne un truc génial. Mais Tony Miles, c'est broke de Il y a eu pas mal de trucs. En fait, il a repris l'alcool, j'espère. Cette année à Vegas, le Calamusa. Il a repris le Calamusa, je crois. Il y a eu Steve Albini aussi qu'on a filmé, Doyle Bronson qui était là. Le making of de Dans la tête d'un pro, le petit truc mais qui était super informatif au final. C'était, il avait filmé les mecs qui filmaient. J'ai réussi à contourner un petit peu, à pas forcément faire beaucoup de coverage écrit et j'ai fait pas mal de vidéos. Tu étais content? Bah ouais, c'est... Ouais, tu préfères ça ou le coverage écrit? C'est le moment de le dire là. C'est très différent, mais j'aime beaucoup réaliser et faire des vidéos. Juste pour reparler un peu de ton documentaire Tony Miles, il a eu un bon retour au niveau des vues et de... Ouais, bah oui, il a eu un bon retour parce que c'était complètement inattendu. L'histoire était folle. Ça sort assez vite. Bah en fait, disons que le docu sur Tony Miles, on l'a sorti en 2 jours. Alors que le film King 5, on l'a sorti en 6 mois, quoi. Ouais, donc ça crée un peu une grosse différence. C'est incroyable, quoi. Parce que c'est un des rares documentaires où on va Pierre Calamusa qui est pas sous. Et qui donne des conseils pour pas l'être. En fait, ouais, mais si j'avais filmé un peu plus longtemps, il aurait été sous dans le film. Ouais, il est sous depuis. Il est sous. Par contre, il l'a plus, le sous. Ouais, non, mais c'était un moment assez incroyable. Le truc sort direct et il est en VO, donc il y a plein de monde qui a pu le voir. Ça change des trucs où qui sortent en français uniquement. Là, tout le monde a pu le voir. Et Tony Miles, c'était un personnage où il y a une espèce d'exclu, quoi. Il y a que Victor qui a été voir le mec qui a filmé ça. Grâce à l'amitié avec Calamusa. Ça a dû étonner plein de monde. Tu étais vraiment dans l'intimité. Combien ça de vues ça a fait. C'est pas mal aussi. Je sais plus. Si j'avais vu le film. Si t'avais vu le film, il y a un plan sur Tony Miles dans le film. Ouais. Voilà. Qui est. Oui, dans Les Flambeurs. Ouais. Quand il danse de dos. Ouais. Voilà, qui rappelle ce film. Mais. Tu l'as vu. Ah, je me rappelle. Il danse de dos. Ouais. Il est habillé. Non, ça c'était Ziad Farhoud dans le. Je danse très bien Ziad d'ailleurs. Ouais. De dos. Donc, pour l'instant, pas de documentaire, peut-être une émission de télé. Non. Une émission de télé. Non. Je sais pas parce que les mecs qui font des vidéos après ils font des petits talk-shows donc. Non. Bah moi je suis je suis ouvert à toute proposition. J'aime bien. J'écris aussi. Je continue à écrire. Pour le cinéma traditionnel. Pour le cinéma. Et puis, j'aimerais bien faire un film sur le poker en fiction aussi. Et depuis longtemps. Et donc, je vais tout faire pour le faire un jour. C'est en suspens toujours. Ouais. C'est quelque chose qui est clairement plus compliqué à mettre en place qu'un documentaire. Mais peut-être que ça se fera un jour et voilà. Tiens, juste petite question, combien ça t'a coûté le docu sur le King 5? Enfin, ça t'a coûté rien du tout parce que c'est Winamax à la production, mais ça coûte combien un documentaire comme ça? C'est dur à dire en fait parce que moi je suis sur Vegas pour travailler pour Winamax de toute façon, donc je suis payé chaque jour que je tourne et après en gros il y a eu du montage quoi. On peut faire un parallèle avec peut-être ce que tu avais fait quand tu avais fait Nosebleed. Bah ouais, mais si tu veux, Nosebleed, en gros, tous les frais, c'est moi qui les payais, donc c'est très différent. Oui, mais en gros, Nosebleed, combien ça t'avait coûté? Ça avait coûté 10 ouais, 8000 euros, je crois, un truc comme ça. Ok. Merde, ouais. On le paye trop, en fait. disons que j'étais pas payé pour Nosebleed. T'imagines, bah, il a fait 8000 euros, il a fait le main event l'année d'après. Voilà, c'est ça. L'année prochaine, le main event. Non, mais c'est très différent. Après, c'est, pour le coup, Winamax, il était très cool sur les conditions, machin. Après, c'est vrai que. La différence, enfin, pas la différence, mais tu fais quand même ton film tout seul, mais bon, t'es payé pour le faire et tout ça, donc c'est très différent, très appréciable. Ce qui aide, c'est que on est tous des habitués de Vegas, donc on va pas tomber dans les pièges qui font que tu payes très cher un truc que tu pourrais avoir en fait payer 300 balles un truc qu'en fait tu peux avoir pour 50 et pareil, donc tout est optimisé, donc on maîtrise les coûts, quoi, voilà. Après, Victor,
Évidemment, il est payé à la journée. Je trouve que c'est pas trop mal payé. Donc, ouais, quelques dizaines de milliers, quoi. Ça coûte un produit. La journée, comme ça. C'est pas mal. Au total, pour avoir le produit payé, fini. Mais après, il a fait du coverage et tout. Enfin, c'est un truc où il y a quand même. Il y avait Steven qui était là. Il y avait moi. Il y a Flegmatic. Donc, t'as 50 jours de coverage écrit, plus des vidéos de tapis volant qui arrivent de temps en temps, quelquefois au cours du séjour, plus à la fin un film sur le King 5. Donc, ouais, c'est une énorme machine. C'est tout un package annuel, quoi. Mmh. Harper qui a fait de la Winamax TV, qui a fait genre une vingtaine d'émissions. Enfin, tu vois, c'est... Et JP qui s'est fait virer. Ouais, écoute. Salut JP. Salut JP. Non, je l'embrasse. Il y a des nouveautés un peu. Bon, tu vas pas nous balancer parce que tu veux pas nous balancer 24 heures à l'avance, mais il y a des petites nouveautés pour Vegas cette année. Non, vu par rapport à la Winamax TV. On n'y pense pas en janvier. En général, on y pense en mars. Et voilà, tu vois, il y a le programme qui vient de tomber. Et déjà, tu commences un peu à t'exciter, genre voir qu'est-ce qu'ils font cette année. Tu regardes les dates, tu regardes un peu combien. Là, il y a fait du short deck ou pas? Ouais, il va y avoir du short deck. Il va y avoir du short deck. Bah, d'ailleurs, il y a une. Mais ça va être à 10K, je crois. Il y a un championship. Il y a un short deck championship, je crois. Mais j'espère qu'il y en aura un pas cher pour que les autres grinders puissent kiffer. Parce que si c'est 10K, bah, il faut intéresser que les mêmes mecs. J'ai même vu que Endon Mob avait sorti maintenant une Endon Mob spécial short deck. Du coup, pour pas fausser avec le No Limit. Et là, cette année, il y a la nouveauté du tournoi anniversary. Enfin, c'est pas un anniversary, mais avec tous les. Il faut avoir gagné un bracelet pour pouvoir y participer. Je sais pas s'il est capé, j'ai pas regardé s'il était capé le tournoi ou pas, mais tous les joueurs qui ont gagné un bracelet peuvent y participer. C'est pas par invitation, c'est faut quand même payer pour ce tournoi, non? Attends, on va dire il y a 56 bracelets par an? Non, 80. Maintenant c'est plus 70, ouais. 70 bracelets, on va dire en moyenne il y en a 60 sur combien? C'est les 50. Oui, tu comptes les doublés, ouais. Oui, t'es dans les. Ça fait 50 ans. 50 ans, ouais, allez. Il y a des mecs qui viennent une fois, qui reviennent plus jamais, ou qui viennent qu'une fois tous les 3 ans ou quoi. Ouais, tu peux avoir peut-être. Je sais pas, peut-être 500 joueurs. 500, c'est dur d'estimer en fait. Et donc ça veut dire que pour s'inscrire, ils ont tous le droit à la queue spéciale pour les 24 bracelets. Un peu con. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à Vegas, quand t'as un bracelet, tu peux avoir une queue spéciale où tu pas. Enfin, en gros, c'est une queue prioritaire pour t'inscrire. Parce que des fois, c'est la galère. Il y a une queue. Je l'ai pris l'année dernière. C'est parce que Grégo et Chochon, il t'a fait passer. Hein, on David est d'accord. Il te retirait cette carte spéciale au bout de quelques années. Du coup, l'année où il s'est rendu compte qu'il avait plus les privilèges de file d'attente, il a regagné un bracelet. Putain. Queen Eye, payé. J'ai besoin de la carte. Bracelet. On est marre de faire la queue. Bon, on se fait une petite pause. Hein, Alex, Pedro, vous êtes d'accord? Avec plaisir. Bon, Pedro, tu vas aller te prendre un petit thé. Un petit tagine. Ouais. Un petit tagine. Tu sais quoi, j'ai failli la faire. Je me suis dit, c'est un peu cliché, dis donc. Prends un thé à la menthe, quoi. Il y a ton pote derrière qui est en train de regarder Titanic qui passe sur TMC. il va bientôt chialer. Très bizarre de regarder Titanic avec une boîte de mouchoirs à côté. Mais non, parce que c'est le moment où Kate Winslet est dessinée à poil. Là. C'est sûr, 100%. Oui. Ah, il est sur Winamax. Il fait des expressos. Non? Non, c'est pas les des monstres en stack là. C'est les tournois. Ah, d'accord. Bon, tant pis. Bah, nous, on va revenir avec l'interview de Nikita Luther. Nikita, quoi. Voilà. C'est classe. C'est l'interview de comment je suis préparé. Exactement. Ouais, c'est ça. Et je serai déguisé en femme et je serai sur l'écran. Et on vous fera un petit peu les questions du forum aussi et puis la partie technique. Allez, à toutes. À toutes. Tout de suite.
remontée sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous revoici toujours en compagnie de notre équipe de flambeurs et de tapis volants. On va libérer Pedro Guitou. Bonsoir Pedro, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée, bonne continuation. Bonne échange de paresse, reste toi-même. Et ne flambe pas tout. Non, on va faire attention. Allez. À bisous, ciao. À bientôt. Ciao Pedro. Ciao Pedro. Salut bisous. Pedro. Et on va ah, libérer Pedro parce qu'on va avoir Nikita. On va avoir un appel Skype. On va d'abord appeler la Jodon. La Gaëlle. Gaëlle Jodard. Ah, coucou. Hello. Allez, on appelle Gaëlle Jodon. Normalement, ça devrait pas marcher. Ça, c'est bien. Elle a mis un message. Normalement, elle nous attend. Ouais, Gaëlle, coucou. Coucou Jodard. Ah, on n'a pas le son. Oh non, on l'entend pas. Si, ça marche. T'as le même accent que Pedro, en plus. Ça parfait. Marche pas. Je sais bien ton rire. Je t'ai manqué. Hein. Bonne année, Gaël. On s'est parlé il y a 15 jours. Bon, il s'en rappelle pas. Ah ouais. Excuse-moi, j'avais envie de te re-souhaiter une bonne année, mais c'est comme mauvaise année. Passe une mauvaise année, Gaël. Bon, alors, on va avoir Nikita. Nikita, oui. Tout à fait. Que je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler d'elle. Ouais, mais j'avais vu. Moi, j'ai vu qu'elle était chez Besson. Comment, je t'ai vu le film Nikita Bellucci. Oh, très très bon. Elle est quand elle est allongée sur une aile d'avion. Eh ben oui. Ouais, c'est ça, c'est elle qui est allongée sur une aile d'avion. On la connaît, hein. Nikita Luther, pardon. Ah, attention. Mais attends, attention. C'est bon. Attends, elle va pop. Normalement, elle va pop d'un moment à l'autre. Ouais. Attention, Nikita. Elle est. Elle connaît Martin ou pas? Non. Oh, putain. Oh là là. Je ne sais pas. Hey, bonsoir. Bonsoir. Ah voilà. Non, on l'entend pas. Elle a pas la bonne version de Skype. Elle a pas la bonne version. Nikita. Si. Ah, si, c'est bon. Yeah. Yeah, that's good. Hi, this is so exciting. Yeah, me too. Hi. Very excited. Every time. Yeah, so on va laisser Nikita, Gaël, Nikita. Maintenant, that's your job, Gaël. Hi. And where are you actually? You're in. I'm currently in New Delhi, India. Okay. Yeah. I'm at home. I wanted to travel to Aussie Millions right now, but I couldn't go because I had other commitments. What time is it in India? Sorry. What time is it in India? Oh, it's really late. It's 3:30 in the morning. What? Oh. Yeah. Well, oh, you come back. You come back from a party. No. Ah, okay. I was killing time because I wanted to talk to you guys, and so I met some friends. It's so nice. Thank you very much. That's very nice. Thank you very much. It's so cool that you have a radio channel just for poker in France. That's amazing. I mean, India, it's nowhere close to as big that we can have a dedicated radio channel for it. So I think it's really cool what you guys are doing. Thank you very much. Donc attends, juste explique un petit peu, Gaël, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ce qu'elle vient de nous dire. Elle a dit que j'étais plus drôle que comment. Elle trouvait ça vraiment cool qu'on ait une radio spécialement dédiée au poker, parce qu'en Inde, ils sont très loin d'avoir ce genre de médias encore pour le poker. Donc elle trouvait ça vraiment... Ah, c'est cool. Et là, il est 4h du matin quasiment. Donc, ouais. Elle était vraiment contente de nous avoir à la radio. Donc, elle a attendu. Voilà. Pour ça, c'est vraiment, c'est, gentil, alors là, hein. C'est vraiment c'est un cool. Amour. Ouais. And for people who don't know you, can you just present yourself briefly? Okay. I'm Nikita Luther. I'm from New Delhi. And I'm a professional poker player since I think 2.5 years now. And I mean, I've been playing poker for 10 years, mostly cash games, but I transitioned to professional tournaments 2.5 years back. And I'm the brand ambassador for India's number one poker website. It's atta52.com. And I'm a team pro. And this year, in fact, I won a World Series of Poker bracelet, which is like, it was my ultimate dream to win a WSOP bracelet someday. And I won it this year, only playing professional tournaments for 2.5 years. And it's a dream come true. It's like, it's so surreal that I still can't believe it. You know? And
Yeah. Yeah. Ah oui, translation time. Elle vient de New Delhi. Elle joue au poker depuis à peu près 10 ans, mais professionnellement depuis 2 ans et demi. Elle jouait principalement des cash games et depuis un an et demi, elle a fait la transition pour les tournois. Et donc, elle est devenue ambassadrice pour ADA52.com, qui est la plus grande room de poker en Inde. Et elle a eu le rêve ultime l'année dernière. En fait, l'été dernier, elle a gagné un bracelet au WSOP, le Tag Team Event. Donc, elle a dit que c'était vraiment le rêve ultime et qu'elle était, elle leur revient toujours pas d'avoir gagné un bracelet comme ça dans sa carrière. Voilà. Yeah, and you wanted to add something? Why don't you ask me and I'll tell you? That'll be better. Yeah, you were the first Indian woman player ever to win a WSOP bracelet. Yes. So it was with Giuseppe Pantalao, a German poker player. So I guess it would have been like, it was really crazy. Like, what happened to you after that? Was it like... It's a very funny story, actually. I do not know Giuseppe at all from before. I played with him once at the previous WSOP, right? And we played together and he said he really liked my playing style and how I was playing. And the teams event was coming up and I didn't have a partner. And so I hit him up on Twitter randomly out of the blue because he had commented on one of my Twitter status. And I was thinking, who do I partner with? Because everyone else was taken and they had already decided. I said, let's go for someone random. And Giuseppe has some really good results on the live circuit. And I'm like, let's gamble. And so I hit him up and I said, I want to partner with you. Let's do it. He's like, yeah, sure, let's do it. And it just happened. And then we ended up playing. And I was running deep in another event, the 3K event. So I was actually multi-tabling the tournament live because Giuseppe wanted to take a break. And the teams event doesn't have any breaks, right? Because it's a teams event. So you just swap your partner every time you want to take a break. But I was already playing in the 3K event. And I was running deep. I was in day 3 of that. So I would run to the next hall. I would sit down in the break. I would play for like 10 minutes and I would run back. And it was just totally crazy. And the funny part about the whole thing is that the last year, in 2017, India won its first WSOP bracelet ever in the same event, the tag team event. And yeah, India won a WSOP event, so I went and defended my country's title to win the bracelet. So that was such a huge honor. It was so great that I got to take the Indian flag onto the stage when they were presenting me with the bracelet. It was so great. Yeah. Ok, alors pour résumer un peu, donc je disais que c'était la première femme indienne à avoir gagné un bracelet au WSOP, et c'est seulement le second bracelet pour l'Inde en général, WSOP. Et donc, elle disait que l'histoire qui était assez rigolote avec ça, c'est que son partenaire, c'est un joueur allemand, Giuseppe Pantaleo, mais qu'en fait, c'était vraiment random, elle le connaissait quasiment pas avant de faire l'event avec lui. Elle avait juste rencontré l'été d'avant au WSOP précédent. Et l'event allait commencer, elle voulait vraiment jouer. Elle n'avait pas de partenaire. Et donc, elle s'est dit, bon, bah, je vais prendre quelqu'un sur Twitter, comme ça, random. Et elle l'a vu, parce qu'il avait répondu à un de ses tweets et il avait de bons résultats en live. Donc, elle lui a tout de suite envoyé, tiens, est-ce que tu veux pas faire l'event avec moi? Et la snap, bah oui, ok, allons-y. Et en fait, elle multitablait parce qu'elle était assez deep. Elle était au D3 du 3K. Et donc, elle courait rapidement pour jouer 10 minutes. Elle retournait jouer son 3K. Elle revenait rapidement. Donc, c'était assez vraiment marrant comme event. Et ils se connaissaient quasiment pas avant de gagner le bracelet ensemble. Et l'histoire qui est vraiment drôle aussi, c'est qu'en fait, c'est le second bracelet indien, mais que le premier, il avait été gagné l'année d'avant dans exactement le même event. Donc, c'est assez marrant quand même que les deux bracelets aient été gagnés en 2017. Elle a défendu le titre. Tag team. Et que c'était vraiment un truc incroyable de monter sur scène, de pouvoir porter le drapeau indien, etc., d'entendre l'hymne national. Enfin, que c'était un truc de fou. Et surtout qu'elle avait commencé de façon vraiment complètement au hasard en choisissant son partenaire et alors qu'elle était en train de multitabler avec un autre tournoi, quoi. Donc voilà, and yeah, as you mentioned, it was also the first bracelet was last year in the exact same event, which is pretty funny. And it seems that India is becoming a very huge market today for poker in general. You also have another women poker pro, Muskan Sethi, with Team Poker Stars. So it seems that India is really booming in poker. So what's the situation today?
Exactly. So, in fact, in the last, I'd say 3 or 4 years, there's been a really big rise and a big boom in the poker industry. I mean, it's heading towards a boom. It's not yet reached that point. And we have all these poker websites that are coming up. PokerStars is entered India. Adda52 has about 1.5 million registered users. And we, in fact, like me and me in partnership with my company, Adda52, we started something called a Poker Sports League, which is basically where we put poker on TV for the first time ever. It's a league format, team format in poker, something similar to Global Poker League, but different because it's a franchise format, right? So we put poker on TV in India on a sports channel. So that was, again, a really big step towards the acceptance of poker in the country, right? And yeah, we are set for a boom. The only place where I think is not catching up as fast as I would like is the female participation. And I feel very passionately about that, that women can be better than men in any field. And in fact, in poker, because it's such a mental, logical, rational game, women inherently have those strengths, and if they really, you know, work on their skills and put in the work, they can be better than men. And but the disparity between men and women is actually, like, it's similar in every sport. I mean, you look at cricket or basketball or football, there's so many more men playing that sport than women. So I guess that's an inherent quality to sports, but I feel more women should take it up because poker is a mental game and we have an edge. I feel. So. Parce que oui, je demandais parce que donc c'était le deuxième bracelet pour l'Inde et ça, on dirait que c'est vraiment en train de, il y a un vrai boom du poker en ce moment en Inde et que c'est vraiment un marché qui est très recherché aujourd'hui par beaucoup de rooms. Ils ont aussi la pro Team Star Muscan City, donc ça devient vraiment un gros marché. Donc je demandais quelle était la situation en Inde aujourd'hui. Donc, elle dit que c'est vrai que ça a commencé à émerger il y a 2-3 ans. Ça n'a pas du tout encore atteint son maximum, son niveau maximum, mais c'est vraiment le début du boom actuellement. Et par exemple, sur leur site, ils ont plus d'1,5 million d'abonnés. Et ils ont aussi, pour la première fois, ils ont mis en place une espèce de team sportive façon un peu JPL à la télé indienne sur une chaîne sportive. Et donc, c'est la première fois qu'ils mettent du poker à la télé façon sport. Donc c'est vraiment en train d'émerger beaucoup et elle essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se mettent dans le jeu parce qu'elle pense vraiment que les femmes ont les capacités mentales, comme c'est un sport mental, ont vraiment les capacités de travailler dur et de pouvoir être meilleures que les hommes. Et, c'est beau de rêver. Et donc, je me suis perdue dans le fil là. Ah oui, et donc elle veut vraiment promouvoir ça. Et que, donc voilà, j'ai perdu le fil là. Mais non, mais t'as dit en gros ce qu'elle a dit. Ouais, voilà. C'est ça. Donc elle a juste rajouté qu'elle me kiffe. Oui, je ne sais pas par rapport à ça. And yeah, you also won another big trophy. Was in Macau, the Poker Stars Trophy. It was Macau Poker Cup. Yeah, yeah. And I saw an article saying that you are changing the perception of in India of poker. So how do you work? What do you think about that? Is that a lot of pressure for you? Yes, I mean, it's very difficult to explain to people about how poker is actually a mind sport and it's not gambling. And no matter how many facts you give to them that poker is taught as a credit course in MIT and Harvard, and it's, you know, or you give them all these facts about how it's math and probabilities and strategy and game theory. No matter how much you tell people, at the end of the day, they're like, no, it's gambling. You know, like, so it's very difficult like that. But the trophy that you mentioned was, in Macau. It was the first time an Indian woman had won an international title. So that was like really big for me. But with these things, like going, like really working hard on my game, putting in all the effort and sincere hard work, and by giving consistent results, I think it proves, or I'm trying to prove that poker, if I can consistently keep doing well, then that is a strategy heavy game. I can't consistently be getting lucky, right? So that I guess that is one thing that It's just about focusing on me, my game, working hard, putting in the hours,
and just being as sincere and genuine about what I'm doing, and then letting, if people ask, I tell them as it is, and it's up to them to believe it or not, right? And it's basically about, my approach to the game is very technical, very, very professional, so to speak, because I don't look at it like a game or like something that is, you know. But I think there's still a long way. It's not just India, in fact, like, it's all over the world, poker fights a perception battle, right? So, and India is like a little behind anyway. So, I mean, slowly things are changing though. It's a very common game. So many people play it, but nobody will want to say it publicly, or nobody will want to come out with it, you know, publicly. But it's very interesting that as we are evolving, like the society is evolving, the people, like, now when I tell people that I'm a professional poker player, they're like, whoa, how cool. Like, is that even a profession now? It's not frowned upon that much anymore. Now it's something that's cool. So, okay, I'll take it. Okay. Yeah. Ouais, alors pour résumer, puisque je disais qu'elle avait, en fait, elle a aussi gagné le Poker Stars Trophy de la Macao Poker Cup. Donc, c'est le premier trophée international gagné par une femme indienne. Et donc, j'avais lu un article sur elle qui était paru dans les journaux en Inde, en disant qu'elle changeait un petit peu la perception des masses en Inde sur le poker. Donc, je lui demandais si c'était beaucoup de pression pour elle, où ça en était par rapport à ça. Et donc, elle a dit que c'est vrai que bah, le poker, comme partout dans le monde, ça reste quand même associé à un gamble, à quelque chose de mauvais, et que peu importe, à beau dire aux gens, leur expliquer que c'est vraiment des maths, de la stratégie, du travail, des statistiques, etc., à la fin de la journée, ils disent quand même « ouais, enfin, bon, c'est du gamble, quoi ». Donc, ça reste quand même assez difficile d'expliquer. Les choses évoluent lentement, mais sûrement. Que le poker, pour l'instant, en Inde, c'est encore, ils sont quand même un petit peu plus en arrière par rapport au reste du monde, mais ça évolue quand même. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent au poker, mais que personne ne veut le dire, en fait. Ça reste quand même assez caché. Les gens ne veulent pas trop dire qu'ils jouent au poker parce que ça reste associé quand même à quelque chose, l'univers du jeu et quelque chose de mauvais. Et donc, voilà, elle essaye toujours d'expliquer, etc. Elle est très contente de son prix et tout. C'était vraiment un truc énorme d'avoir d'être la première femme à avoir reçu un prix international comme ça. Mais qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, quand elle dit qu'elle est joueuse professionnelle, trouvent ça vraiment cool et sont vraiment contents et lui posent plein de questions. Donc, elle dit, voilà, ça évolue. C'est un petit peu comme dans tous les autres pays du monde. Il reste quand même une image négative. Mais bon, ça avance et elle est très fière de ça. Par rapport à ça, on a deux questions dans le chat. La première, c'est est-ce qu'il y a des casinos en Inde pour jouer ? Et la deuxième, c'est à propos de la fiscalité, justement, comment ça se passe là-bas pour les joueurs pros ? Est-ce que pour l'instant, enfin, l'État n'y a pas du tout pensé, ou est-ce qu'il y a quand même un point là-dessus ? Yeah, two people are asking questions in the chat. Like, is there a lot of casino in India where you can play poker? And also about the tax. What's the situation now with the Indian government? Yeah. So poker is legal only in a very few states, and it's legal in Goa. And actually, not Goa. Basically, what they do is they have casinos on ships. So that's because the ships are on international waters, and then they don't come under the state laws. So so they run casinos there, and we have tournaments there every 2 months, every 1.5 months we have some tournament or the other. The tax situation is actually pretty bad. It's we need to regularize this entire. I mean, there are bodies that are working on it. There's something called an AIGF, All India Gaming Federation, which is working on regularizing the taxes behind a poker and how they should be treated. But right now it's a 30% flat on all your cashes, not your winnings. So 30% tax, 30% flat tax on your cashes, which basically means that you can't offset your losses. So if I have tournament buy-ins of say $10,000 and I've cashed $100,000, I'm giving my tax on $100,000, not on $90,000. You know, so it's not taking in, it's not letting me offset my losses of say previous tournaments. So like right now, I went to Korea and I went to Vietnam, and in Korea I bricked. In Vietnam I still cashed, but in Korea I had a brick series, but they will not use the tournaments where I've lost money, and I can't subtract it from my winnings in the future if I win in Vegas. Understand? A little bit, yeah. It's confusing. Oh, yeah, okay.
Moi, je vais avoir besoin d'une traduction pour, parce que ça a été un petit peu compliqué. Non, donc elle disait qu'au niveau, c'est pas trop légal en Inde. Il y a assez peu d'états où c'est légal le poker. Par exemple, à Goa, ils jouent sur des bateaux. Parce que c'est les eaux internationales, donc tous leurs casinos sont sur des bateaux. Et ils ont quand même des gros tournois là-bas tous les deux mois. Mais voilà, ils contournent un peu la loi. Et au niveau des taxes, c'est pas du tout encore... c'est un peu le bordel, en gros. Il y a une commission qui est en train d'étudier ça, une commission pour la légalisation des jeux, etc., qui est en train d'étudier comment faire payer les impôts aux joueurs. Donc ça, ça va être pris en compte. Mais pour l'instant, en gros, ils payent 30% de taxes sur tous leurs gains, mais sans prendre en compte les pertes. Donc, par exemple, voilà quoi, si elle cache 100K alors que le buy-in était de 10K, elle paye sur les 100K. Elle ne peut pas retirer... voilà. Et donc, les tournois où elle a break-even, où elle a sinon pas ITM avant... Oui, y a pas de et puis, il n'y a pas de frais, j'imagine, pareil. Hein ? Il n'y a pas de frais, tu vois, comme tu ne peux pas défrayer comme on peut faire en France. Non, tu ne peux pas retirer aucun frais ou aucun... Donc voilà, en fait, ils payent 30% sur, dès qu'ils font un cash, mais ça ne prend rien d'autre en compte derrière. Donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Il y a d'autres questions sur le chat ? Non. Non, ouais, quand elle jouait en cash game, elle jouait du coup... parce qu'il y a des casinos un petit peu pour jouer en cash game... À New Delhi, ou elle jouait online? When you were playing cash game, you were playing in New Delhi. Is there some casino? Yeah, I mean there are casinos in Goa. I would travel to Bangalore or Goa or Kolkata. There are poker clubs. So these states, Karnataka and Kolkata, are two different states, and they under their law. Poker comes under skill games, so they have poker clubs, but they don't have casinos, like no roulette, no blackjack, but they have rummy and poker, so you can play there. And then there was also online, and some home games here and there with friends. That's it. C'est plus des cercles, quoi. C'est plus des cercles que des casinos. C'est plus des cercles où, dans ce cas-là, c'était reconnu comme un jeu de skills, mais voilà, c'était vraiment que des cercles de poker. Mais sinon, voilà, elle jouait des parties privées aussi. And yeah, you said you have a sponsorship with ADA52. So, yeah. What are your next goals and what are your next projects this year? I want to achieve everything. I want to win every main event. You want to win two bracelets? If I can dream, why not dream like the biggest possible dream, right? So I hope to win. I've actually played in France. I played at WPT Deauville. Such a beautiful place. I love France. I love Paris. And very soft players in Deauville. So I found the field very soft. Okay. Sorry, guys. Okay, so we are too bad in poker. So yes. Keep trash talking. Sorry, what? T'as essayé de parler anglais, elle a pas compris. Keep trash talking. C'est, I drink a lot of wine, so excuse my English. I'm not trash talking. So the thing is that I think Deauville had a lot of tourists, and there were just tourists coming to have fun and play poker, so they don't really do this professionally. So that's why there were so many people. There was soft. That was one of the softest fields I played. And I mean, yeah, and I also final table the WBD Aria in Vegas. That was like 3,700 entries. And I came fifth. I entered the final table with chip lead over there. And so I mean, I have all these like experiences, amazing experiences in poker, but I don't yet have a main event win. So I really want a main event win. And hopefully it's a WSOP main event. Why not? And that's the goal. That's basically I want to play higher buy-in events, eventually get good enough to play probably super high rollers and... hopefully start shipping them, and that's basically my goal, to keep improving every single day. I put in like 5 to 6 hours almost every day, at least 5 times a week, just studying and learning the game. So I'm yeah. One time a week or every day? Sorry? No, 5-6 heures par jour, 5 fois par semaine. Okay. Oui, parce que donc je me demandais c'était quoi ses prochains objectifs et ses projets.
Donc, elle dit qu'elle rêve, elle rêve en grand. Donc, elle dit tant qu'à rêver, autant rêver les trucs les plus fous. Donc, elle veut vraiment gagner un main event. Donc, tant qu'à faire le WSOP main event. Et elle a eu pas mal d'expérience. Elle est arrivée troisième du WPT à l'ARIA aussi, à Vegas. Elle a joué le WPT à Deauville là, cette année. Elle a beaucoup aimé. Elle trouvait que le niveau était assez faible. Donc, ce n'était pas pour être méchant pour les Français, mais qu'il y avait beaucoup de touristes ouais, en fait, qui venaient jouer au poker, beaucoup de joueurs récréatifs. Donc voilà, mais elle a beaucoup apprécié jouer en France. Et donc, bah, voilà, elle travaille beaucoup, beaucoup son jeu. À peu près 6 heures par jour, 5 fois par semaine, elle le consacre vraiment à travailler son jeu. Standard. Et ses objectifs, c'est de, tourner, de jouer des buy-in plus élevés aussi, et puis d'aller vers les high rollers. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, oui, vas-y, rajoute. Si t'as quelque chose à rajouter. You have an next trip in France plan. Are you coming back to France? In Paris? Okay, hopefully. In our kitchen. Yes. In our studio. I want to play the EPT Barcelona after. It's not in Paris. It's not in Paris. It's in Spain. I know. Yeah, I know that. So I it's mean, a joke. I know you know. To visit. And right. I mean, it's not in the near future. I don't have plans to come to France. Mm-hmm. Okay. Non, elle va aller jouer le PT Barcelone et du coup, elle va aller en profiter pour faire un voyage en France aussi par la même occasion. Donc voilà. Well, c'était ça. Vous avez d'autres questions? Bah, non, mais attends, il est... It's 4:22 in the morning, so you have to go to bed right now. Yeah. You're waiting. Yeah, thank you very much, Nikita. It was a pleasure. Cool. Yeah, yeah, I really enjoyed it. To have you. And yeah, good luck for this summer in Vegas. We're going to see you there. So thank you very much. Thank you very much, Nikita. Bye-bye. Bye. Thank you. Elle est trop cool. Elle est trop, trop cool. Très sympa. Et bah, écoute, merci Gaëlle. Merci Gaëlle pour cette... Ah, je sens qu'on va raccrocher. Ah non. Ah. Yeah, ça va. Et c'est pas facile l'accent indien quand même. Plus facile ? Non, c'est pas facile. Ah bah, c'est plus facile quand même que des accents américains. C'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile que l'accent irlandais de chauffeur de taxi, tu sais, de comment on avait fait à Rosvadov là, je sais plus comment il s'appelle le mec de Party Poker là. Ah ouais, c'est plus facile que l'accent irlandais de. Ah oui, de oui, je vois de qui tu parles. Eh ben écoute, merci beaucoup. De Young, Rob Young, Rob Young. Merci à vous et puis voilà, n'hésitez pas à lire l'interview de Shane Storms qui est partie. Non, par contre, on va pas la lire. Et je déconne. Non, franchement, trop cool. Et la prochaine, c'est quoi? Alex Foxen. Ah, celui qui a gagné. Ouais. Attends, Alex Foxen, il a gagné le main event des World Series Europe, non? Il a surtout gagné Kristen Bicknell. Ouais, c'est ça. Il a gagné. Ah ouais? C'est le numéro 1 GPI mondial là. Ouais. Mais Alex Foxen, il a pas gagné. Mais si, il a gagné le World Series Europe. C'est celui qui souriait pas. Il sourit pas, non, il gagne devant Fabrice Soulier. Hein. C'est Leo Fox. Hein. Ah putain, je savais qu'il y avait un Fox. Ah, plein de mecs qui sourient pas. Je savais qu'il y avait un Fox. Bon, en tout cas, il est numéro 1 sur la GPI de Kristen Bicknell apparemment. Oh dommage, merde. C'est la GPI numéro 1 GPI en ce moment. Oui, bah qui, ça va, moi, nous on l'a tous été. Hein, et donc, le copain de Kristen Bicknell qu'on avait eu à la radio. Ouais, voilà. Kristen Bicknell qui a Deep Run. Qui dit prendre plein de trucs. Non, attends, qui c'est? Non, le 25K, le PSPC. Le PSPC, c'est ça. Ah voilà, là je me trompe pas. Ok, oui, je remets les pendules à l'heure. Il a vu le film avec Kristen Bicknell. Buzz par Martini, non? Buzz par Martini? Je sais pas. Ok, je crois, ouais. Bon bye. Ça va, ça fait chier. Raccroche tout de suite, Gaël Jodon. Là, on est en train de discuter. Vas-y, va prendre tes selfies sur la c'est plage. Bon, là, vas-y. Dégoûte tout le monde. De toute façon, bon. On regarde plus tes stories. Il y a plus Sarah Zali. Eh ouais, elle est repartie il y a 3 jours. Je rigole, moi, j'aime trop tes stories encore. Voilà. Merci beaucoup, Gaël. Et Pilate, tu feras un bisou à l'âne sur la plage. Et Pilate. Gros bisou à Tapis Volant. Ouais, bisous. Et nous, t'es quoi en 4 ans, jamais. C'est le mot le plus gentil qu'elle ait dit à la radio ever. Tapis est en train de s'endormir sur ton interview et tu lui fais un bisou. Et tu lui fais un bisou. Non, mais balance pas. Nous, elle est là. Ouais, genre, regarde comment ça. Nous, ça allait vous faire foutre et tout. C'est incroyable. Bon bah salut, retourne sur ta plage Gaël. Le blanc là. Salut Gaël. Allez, ciao. Gaël, je te remercie beaucoup. Bisous, cœur, change pas, reste la même. Friendzone. Moi ou toi? Toi ou moi? Je pense que c'est plutôt les deux. Ouais. Les deux.
T'es comme Cavani, tu fais des blagues en une touche de balle. C'est ça qui est, c'est beau. Allez, tu vas nous faire. On a des petites questions et tout ça sur le forum. Est-ce qu'on va faire un petit tour sur le forum avant ou pas? Non. Fais ou pas? Non, on n'a pas envie, on les emmerde. Mais bien sûr que tu vas. Vas-y. T'aurais pu dire. Mais tu as le droit de ne pas aimer les gens du forum. Tu as le droit. On a plein. Déjà, on avait une petite question dans le chat Twitch pour Tapi. T'en es où du film sur Romain Lewis? Cette question est. Bah, le film sur Romain Lewis, il n'existera jamais, malheureusement. C'est ça le problème. Pourquoi Romain Lewis ne veut pas? Mais non, mais en fait, il a commencé chez PokerStar, en fait, ce film. Donc, du coup, toutes les images appartiennent à PokerStar. Ah oui, donc forcément. Donc maintenant, il est chez Winamax. Steven, tu peux arrêter, nous, on bosse. S'il te plaît, il nous met des images de cul derrière, là. Je te jure. Non, mais du coup, je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi te répondre. Je pense que. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'existera jamais, quoi. J'ai plein de. Mais si Romain retourne chez PokerStar, non, c'est pas possible. Ça paraît compliqué, quoi. Okay. Ça paraît compliqué, ouais. C'est dommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'images sympas, mais notamment son premier 25K qu'il avait joué à Barcelone, c'était assez cool, mais. Il avait déjà joué des 25K à cette époque. Ouais, il avait joué son premier 25K et c'était assez cool. Il avait bust à la bulle en plus. Donc. C'est pas mal. C'est pas mal. On nous demande si le tirage de la crédit card roulette au resto japonais était rigged ou pas. Non, alors c'était d'autant plus pas rigged que j'avais perdu les trois précédentes en fait. Ce qui arrive genre juste jamais. Si, pourquoi quand t'es un règle de la crédit card roulette, il y a souvent un mec qui prend très cher. Ça arrive genre une fois sur 5 ans. Il y a souvent un mec qui prend très cher. Et bref, j'en avais perdu 3 de suite et je pense que si je perdais celle-là, je retournais le resto, quoi. Non, mais enfin, par contre, quand tu vois la séquence, ce qui est bizarre, c'est que normalement, je suis censé ne pas la perdre. C'est juste qu'en fait, il change les règles du jeu quand il reste plus que 2 cartes. Il dit le prochain. Oui, non, en fait, quand il reste 2 cartes, généralement, tout le monde décide soit tu payes pas. Ah oui, mais là, du coup, il dit le truc genre. La prochaine paye, paf, et c'est la mienne. Guacamole. Voilà. Allez, Crime or Beach. Quel objectif pour ton break et pourquoi le Mexique, Alex? Pourquoi le Mexique? Pour me reposer un peu, prendre des vacances et chiller un petit coup. Ok, avec donc. Gage, non, avec ma copine. Seconde question, peut-être indiscrète aussi. Quid de la fiscalité quand on a un taf à côté? Avoir un taf à côté ou pas, ça change pas vraiment grand-chose. C'est plus tes habitudes de jeu qui vont déterminer si tu dois déclarer ou pas. Ah, si tu joues beaucoup. En l'occurrence, je déclare. Ouais, après, nous, on est des joueurs perdants. On va rester. Tapis, bon, moi, vas-y. Tu me poses pas la question, cette question-là pour la fiscalité. Alors, Tapis, l'URSSAF, comment ça se passe? Très bien. Alors, les assédis. Vas-y, sors ta langue de bois, parce que je sais que tu vas le faire sur celle-là. Tapis, d'un point de vue personnel, préfères-tu filmer des récréatifs ou bien des top sharks? Qui est le plus facile à filmer? Bah, les top sharks. Non, des j'en ai jamais filmé, les top sharks. Des vrais sharks. Ah, des vrais sharks. Merci, Tapis. Super, l'humour, bravo. C'est très difficile à dire, en fait. C'est pas. Déjà, c'est pas vraiment des récréatifs, les mecs des flambeurs, tu vois. Enfin. Même pas du tout. Oui, c'est pas des récréatifs, mais c'est pas le même. Enfin, si tu compares par rapport à Nosebleed, c'est pas du tout le même monde. Mais en fait, c'est quoi la différence? Il y a des pros et des pros, quoi. En fait, au final, il y a des pros qui jouent à Stakes et des pros qui jouent moins à Stakes, quoi. En fait, il n'y a pas trop de différence. À partir du moment où tu arrives à bien t'intégrer et où ils t'acceptent, en fait, au final, Luno et Sabic, après quelques jours, ils t'acceptent, ils te confient tout, en fait. Enfin, il n'y a pas énormément de différence. Après, je sais pas. À part les tournois joués, on va dire les buy-in, ça change pas grand chose, quoi. Enfin, non, pour le tournage. Non, ça change pas grand chose. C'est vrai que des fois, t'as peut-être moins envie d'intervenir entre guillemets quand tu suis Luno. Enfin, je me souviens. Alors que Pedro, tu peux lui dire que là, c'est de la merde, là. Putain, mais folle. Allez, folle, range deck. Au final, pas tant que ça, parce que de toute façon, il vit leur truc, il vit son truc. Tu peux pas vraiment lui dire quelque chose. Je veux dire, je vais jamais juger un coup qu'il a joué. Et c'est pareil pour Luno. Il y a quand même une différence. T'aurais pas joué la crédit card roulette avec Alex et Luno. Bah en fait figure-toi que Alex et Luno. Figure-toi que je la jouais à chaque fois. Enfin, en gros, il y avait une des cartes qui était pour moi. Sauf que du coup, ils avaient deux chances de perdre au lieu d'une. Est-ce qu'ils ont perdu sur une de tes cartes ou pas une fois? Ils ont perdu une fois. Ouais. Oh, putain, alors que nous, on avait mis 5 fois la carte de tapis en fait. Et il a absolument pas vu. Question pour toi, Alex. Tu commences à être un vieux de la vieille du CP. Petit tips
pour continuer à avoir la motivation de grind alors qu'au fond de nous, on sait tous que c'est un jeu de chatard où il faut gagner des flips en late game pour survivre. Une question de Paoletta18. Bah écoute, juste si t'aimes ça et que t'as envie, bah la motive elle vient toute seule quoi. Je veux dire. Si t'as besoin de bouffer, c'est ce qu'on entend. Non, franchement, je joue pas parce que j'ai besoin de bouffer, je joue parce que j'adore ça et je mange même si je joue pas au poker. Je mangerais peut-être mieux même. Et qu'est-ce que tu manges ? Et qu'est-ce que tu bouffes ? Non, je mange très bien, j'adore la bouffe. Peux-tu nous raconter, l'anecdote de Prague ? J'ai beaucoup d'anecdotes à Prague. Mais apparemment, je sais pas de laquelle il veut parler. Qui ressort. Apparemment. C'est Paoletta18 qui te pose la question. Je sais pas, j'en ai plein, je peux en raconter une peut-être. Vas-y. Non, on déteste les anecdotes, fais-toi en une. Non, j'ai joué à la table de. Je me suis broke, en fait, à la table de Martin Cabrel. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, on a déjà fait la blague plein de fois, t'inquiète. Regarde, très j'ai dit. Sans la blague qui arrive là. Martin Cabrel, qu'est-ce qu'il a fait ? Récemment, il a gagné un 100K, je crois. Il a qu'une chemise. Il a qu'une chemise. Oui, il a gagné 100K à Rosvadov, non ? Il pue la mort. Non, c'est un enculé à table. Non, c'est vrai qu'il paraît qu'il pue. Non, il pue la mort et c'est un enculé à table en fait. Et le truc, c'est que si Steven le dit, c'est que vraiment, ça va être un enculé. Hein, parce que Steven, il aime tout le monde. D'habitude, il aime tout le monde. Non, je vivais à Prague en fait, à cette époque-là. Quand il arrivait dans la ville, on le sentait. Quoi. Ouais, il y avait un écran de fumée au-dessus de la ville. Non, je vivais à Prague et je jouais pour mes études, quoi, pour un échange. Et j'allais plus souvent au casino qu'en cours. Et donc un soir, il y avait un fameux mec, genre un millionnaire ou milliardaire indien qui devait venir. Genre, c'était le shot à prendre, quoi, en gros. Le père de Nikita. Donc, j'ai foutu toute ma role sur la table. C'était en quelle limite ? 2000 euros. Ça jouait en 100-200 là-bas. Donc, c'est 4-8. C'est pas énorme, mais. Ah bah putain, le milliardaire. Non, mais c'est pas énorme, mais ça jouait. NL 800, genre. NL 800. Ouais, mais genre, ça jouait, genre, super deep, quoi. Okay. Genre. Et donc j'ai buy-in toute ma role à cette époque-là, sur la table. Et au bout de 10 mains, donc on joue en 100-200. Déjà quand tu buy-in là, tu t'es pas en train de te dire « je fais une connerie là quand même ». Franchement, je m'en bats les reins. D'accord. Genre je suis… Enfin… Je réfléchirai plus tard. Je suis vraiment comme ça, genre… Pour moi, c'était un shot à prendre. J'aime bien prendre un shot pour toute ma role. Ça représente pas énorme. Non, mais en plus, en live, ça doit être, tu poses tout. C'est pas comme online où tu cliques sur un bouton. Là, clairement, tu poses là, c'est vraiment billets, tout. Non, mais voilà. C'est pas la même chose quand même. Ça représentait pas mal pour moi, même si c'est pas des montants énormes. Bon, bref, je pose. Donc, on joue en 100-200. Je mets genre 60 000. Je sais pas, ça doit faire 3 000, 4 000 euros. Je sais pas, à peu près. Et bref, donc au bout de littéralement 5 minutes, je suis en big blind et il y a le fameux milliardaire là, qu'il open à 4000, un truc comme ça. Là, t'as deux as. C'est la partie technique. Et tu vibres. Fais-la nous en euros parce que je galère. Attends, sais pas en euros, il open 20 bébés le mec quoi. Et on joue en 4-8. On joue en 4-8. Je suis en big blind et je soulève deux dames. Donc, chauve. Il snap call, hein, évidemment. 8 et 9 off. As-dame off. Ok, donc là, le cœur qui s'emballe. Bah, franchement, ouais. T'as pas le temps de vibrer, il y a un as, c'est la d'or 15. Non, peut-être que pour certains, c'est pas énorme. Pour moi, c'était énorme, tu vois. T'as tout, en fait. C'est énorme, t'as tout. Non, enfin, tout ce que t'as au poker. Non, mais déjà, et cette partie, genre. Enfin, je rêvais de la jouer toute la nuit et que ça se passe tranquillement, tu vois, etc. Et là, je me retrouve à faire ta préférée. Bon, bref, il retourne as-dame, je suis super content. Et il propose, si je veux run 2 ou 3 boards, bref, là-bas ça se fait beaucoup. Donc on run 3 boards, il a as-dame et il gagne les 3. Et j'ai paire de dames. Il fait 3 fois l'as. Non, il fait un as, flush et quinte. 3 boards. Ah, c'est bien, hein. Facile. Et après ça, enfin je te jure c'est dur. Je suis reparti au bout de 5 minutes de jeu. Quand tu perds la première, tu dis... Et je me suis broke là-dessus et dans la soirée... Je vais en gagner que 2 sur 3. Et dans la soirée, Cabrel a dû prendre genre 50 000 euros au mec quoi. Ah mais lui au moins, toi tu sens bon. Non mais après ils ont joué genre 2000 ou 3000 blind deep quoi. Genre le mec à chaque fois il reload et tout genre. Enfin ça aurait pu être un shot énorme et j'ai joué 5 minutes quoi. C'était une belle histoire. J'ai vécu. Tu vois, t'aurais pas pu nous raconter cette anecdote ? Non mais clairement. Ça valait le coup quand même. J'aurais préféré gagner ce coup et jouer toute la nuit mais ouais. Voilà. Bah c'est pas grave. Un de mes brocages s'est passé comme ça. Tu te rends compte qu'il y a peut-être... T'es peut-être passé à côté de ta carrière en fait. Tu te rends compte de ça ? Tu sais que j'aurais pu prendre genre 10 000 balles sur la soirée, j'en sais rien. Mais... Non, mais peut-être beaucoup plus. Il était milliardaire le mec. Peu importe. T'es l'homme que t'es aujourd'hui grâce à ça. Comment je suis ravi de te raconter cette histoire. T'aurais jamais joué, mais en fait, t'aurais gagné cette session, t'aurais jamais gagné King 5. C'est possible. Au final, tu vois, voilà. C'est possible. Tout est lié dans la vie. J'aurais peut-être pu Brock Cabrel, il aurait jamais joué. Moi, j'en reviens. Le mec s'appelle Martin Cabrel quand même.
Non, par contre, il pue et il est insupportable à table. C'est terrible. Comment tu peux. Non, mais ça. Kadi. Quatre putain. Putain, mais non, oh, non, c'est non, pas non, possible. C'est incroyable. Pardon, tapis. Appelle Olivier P, s'il te plaît. Ouais, appelle-moi Olivier P pour la partie technique. Bah, nous, comment tu peux jouer les 100 000 et puer? C'est quoi c'était, comment c'est possible? En fait, nous, là, personne leur dit aux tables qui puent les gens. Je travaillais pas à ce moment-là, mais apparemment, il était couvreur avant Martine Gabriel. Martine? Et il y en a un qui a réussi. La réputation qu'il avait, c'est qu'il avait qu'une seule chemise. Et donc. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme Vogelsang. Il avait une chemise avec noire, la même pull. Et en gros, du coup, bah, il puait rapidement, forcément, s'il a qu'une chemise. Et Vogelsang. Tiens, Steven, fais-moi un pouce en l'air. Vogelsang, il joue tous ses tournois avec le même pull. Il pue, ce mec, ou pas aussi? Non. Non, ah, lui, il sent bon, d'accord. Il a tu sais, un tournoi, ça dure pas non plus, forcément, plus que 5 jours. Tu transpires. Hein, quand tu joues au poker toute la journée, tu transpires de ouf. Putain, tapis, c'est beau ce que tu dis, putain. Merci, tapis, pour cette analyse technique. Moi, j'en reviens pas, le mec s'appelle Martine, quoi. Enfin, Cabrel. Martine, c'est. Ouais, Martine, ouais, c'est très bien. Parler. Ouais, mais le mec s'appelle Martine. Et ma femme s'appelle Martine. Ah non, c'est ma femme, s'appelle Maurice. On va passer à la partie technique. Allez. Hein, là, ça, on commence à se perdre. J'ai pas de jingle cette semaine, du coup, c'est ça? Oh non, il y a pas. On marche pas. Ça marche pas. Faut que j'y aille, moi je vous laisse. Allez, non, on va voir. Alors tu vas rester, hein, parce que en plus. Alors, on a deux dames en big blind et il y a un milliardaire qui est open. Non, mais alors déjà, j'ai trouvé des mains de MTT. Super. C'est deux mains de MTT, ok. Ah, ça va faire plaisir à tout le monde, ça. C'est des mains de MTT online, donc vu que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent jouent online, ça peut vous servir. Attention, tapis, t'as deep run le main event, je crois. Écoutez les conseils de tapis. Tapis va répondre là-dessus. Là, ça peut. Alors, on est sur la première main, on est au D2 du Colossus. On commence à sentir la bulle un peu là. Ça sent, ça sent les bifetons, ça sent l'oseille. On est pas mal. Tapis, maintenant, là, bah oui, ça a évolué. Attends, on est en 2019. Ah ouais, tapis, il y a l'écran, il y a le replayer et tout. En plus, je me suis fait chier, j'ai mis tous les montants en big blind. Comme j'ai ça. Envie d'aller pisser, j'imagine que c'est mort. Ouais, c'est mort. Merci. Ah non, je crois que c'était pour quand tu vois 9, 8 de trèfle, t'as envie d'aller pisser. Non. Alors, je vous ai tout mis en blind. Okay. Putain, ça c'est. Ah, j'ai bossé. J'ai fait des maths. T'as joué le Colossus, il y a écrit chichi. C'est pas des mains de moi. Non, c'est pas des mains de moi. Il y avait pas. C'est tous les joueurs. C'est pas leur pseudo. Il y a un indice, il y avait marqué D2. Voilà. C'est pas possible. Moi, je fais que les D3. Ouais, bien sûr. Donc, on va être UTG1. On est 6. Donc, on est whitejack, quoi. On a 9-8 de trèfle. Donc, au niveau des stacks, nous, on est très deep. On a 84 blindes. On a un seul mec qui nous couvre, forcément, comme d'hab. C'est toujours le mec à notre gauche. J'espère que c'est lui qui va rentrer dans la main. 93 blindes. Et ensuite, tous les joueurs derrière ont. Donc, le bouton a 30 blindes. Et les blindes, elles ont 25 blindes chacune. Est-ce que 9-8 de trèfle dans cette position-là, on ouvre ou est-ce qu'on fold? Ah, tapis, fold, ça c'est sûr, mais après, genre les autres, ils font quoi? Non, je pense que si on fold, c'est même pas la peine de jouer un tournoi. Oh. C'est vrai? C'est méchant. C'est une main standard open dans cette position, on est très content de l'ouvrir. Tapis, d'autant plus qu'on a un grand tapis. En tap télé au main event, tapis, tu fold ou t'open? Non, j'open, justement. Tap télé, open standard. T'as envie de la péter un peu. La base. T'open quoi? 2,6, t'as isolé internet? Du coup, tu fais genre 4,2 quoi. Tu fais 20. Non, donc on open standard. Genre, c'est quoi de standard? 2,5, bah, 2,2, 2,3, 2,4. Ouais, 2,2, c'est bien. 2,2, 2,3. On va faire ça à peu près, je crois. On fait 2,4. C'est pas mal. Et forcément, c'est le mec qui nous couvre, qui nous colle. Donc on est call par le cutoff. Tout le monde fold et la big blind défend aussi. Donc on va avoir un flop. Bon, alors c'est le flop. On est content et en même temps, on sait que là. En fait, on n'est pas si content. On sait que ça pue un peu. On va perdre des jetons, quoi. Ouais, on sait que c'est un peu relou. Oh là là. Le board arrive. Que des pensées négatives. On fait deux paires, donc le board c'est valet 9-8 avec un flush droit pique. Et nous, on a 9-8 de trèfle, donc on a bottom two sur un board qu'on appelle un board dynamique. Un board bien connecté. Exactement. Ici, est-ce qu'on s'ébet ou est-ce qu'on check nos bottom? Petite Marie, je parle de toi. Ça dépend. C'est un board qu'on va checker à trop haute fréquence normalement. Ouais. Après, avec cette main particulière. Le mec parle de fréquence directe, on est dans la partie technique, on ne s'est pas trompé. Après, il a une main particulière. Pourquoi ça s'appelle Poker Poisse? C'est le seul mec qui regarde le nom du site, bordel de merde. Poisse. Personne l'a jamais fait, celle-là, quoi. Poker Poisse, c'est genre c'est le poker. Tu joues dessus, tu t'es un chat parce que noir. C'est que des mains, on les a tout le temps perdues. Tu déchasses 100%. Que... Ouais, putain, c'est que des replays de mains que t'as perdu. Check fold alors. C'est qui vilain 3? Bah non, check fold, vilain en fait 3, tu prends une pénalité. Vilain 3 c'est un règle, j'ai pas plus d'infos quoi. C'est juste un joueur qui avait apparemment. C'est pas vilain 3 sur sur Alcolito 2, c'est vilain 3. Non, c'est un règle, on a pas trop d'infos là.
Moi, j'ai pas plus d'infos que de te dire que c'est un rec qui joue du coup des. C'est un 50. Non, 30 balles. Ah ouais, quand même. Je rigole pas. Hein. On check ou on bet? Tapis. Ouais, payé. Non, théoriquement, on a envie de check. Moi, on va check quasiment toute notre range. On va check cette main. En plus, le truc, c'est quand tu bêtes, même si t'as deux paires, quand tu te fais raise là-dessus, en plus, tu joues super deep contre le mec qui est en position sur toi. Ouais, parce que toi, t'as poker poise. Ouais, poker panache, tu vois. Du coup, tu bêtes combien? Il y a 9 blindes au milieu. Je bête 6,3 blindes. Ok, cher. Et ça dit prendre le menu. Bah oui, parce que je suis capable de folder après, tu vois. Ah ouais, mais ça, j'imagine bien que tu as pas mal de blindes. J'imagine bien que tu as foldé quand il va bouger la moindre oreille. Tapis, c'est bête. Et Alex, plutôt, tu check. Bah après, ça dépend comment on veut jouer. Si on veut jouer exploit ou. Vilain 3, tu veux l'exploit. Il a toujours un 10, tu vois. Il a toujours valet 10, donc tu vas tout lui prendre. Non, théoriquement, je pense qu'on check. Quand on a posé la question, est-ce que Tapis vous donnait des conseils, vous avez bien raison de ne pas les écouter. J'ai super envie de pisser. Et ben, on va écouter Tapis. T'as un verre. Portable. On va c'est bête. Donc, voilà. C'est bête, Mipo, 4.4 dans 8.9. Et vilain 11 nous raise. On ouvre et là, on déteste notre vie. Voilà. On ouvre la porte. Donc, le short stack en big blind fold. Et là, on se fait raise. Donc, on a ses bêtes 4.4. Ouais, tapis, on se fait raise à 11 bébés. Tu re-raise, Tapis. Moi, je pourrais répondre pour Tapis. Là, il fait 23 bébés fold. Ah, bah là. Tapis, petite question. Click back fold, Tapis. Non, le problème, c'est que du coup, on se retrouve obligé de payer. C'est chiant, mais. Ah, on est obligé de payer là. On est obligé de payer. Mais on colle, mais déjà, on déteste notre vie quand il raise. Là, tu détestes. Là, on se dit vraiment qu'on aurait dû check, mais bon, voilà. Là, en fait, là où tu détestes ta vie vraiment, c'est quand dans un spot tu te dis, même si c'est une blank turn, je déteste ma vie. Et de toute façon, il a pas beaucoup. La moitié du paquet te fait chier. Et de toute façon, il va pas s'arrêter de miser à la turn, donc on déteste vraiment notre vie. Si ça peut importe la turn, c'est un peu l'enfer. Donc on call quand même, on peut pas fold. Bah oui, maintenant on peut pas fold, ouais. On va call. Doublette du 9. Des fois, c'est un 8 de carreau. Non, la turn elle est gentille. Là, c'est une blank. C'est la plus grosse blank du deck. Le 2 de carreau, il n'y a pas beaucoup de blank. Ça nous arrange. Donc, on a toujours bottom 2. On va vraiment avoir une situation très agréable. Donc là, on part pour check call tout le temps. Bah oui. Pas faire grand chose d'autre. Bien. On est d'accord, Alex? Bah ouais, on est d'accord maintenant qu'on a 6 bêtes de flop. On est d'accord. Le problème, c'est qu'il va mettre 25. Mais... Et du coup, mais c'est quoi un petit peu? Enfin, est-ce que là, on commence déjà un petit peu? Est-ce qu'on pense street by street ou est-ce qu'on anticipe déjà la river? Bah là, le problème, c'est que street by street, c'est pas tant une connerie que ça. Le problème, c'est qu'on. Bah non, mais apparemment il est broke, donc ça s'est mal passé quand même. Non, mais. Non, bah juste, ouais, on sait qu'on va avoir une énorme décision river, mais bon. Et si c'est une blanque, on se pose déjà la question, est-ce qu'on est recall ou est-ce qu'on fold? Pas trop. On va voir. Ouais. On va voir un peu si c'est une blanque la river ou pas. Donc il bet 18 bébés, turn, dans 30, on call. Ouais, bah on a pas trop le choix. Ouais. Et donc river, bah il y a un pot size bet environ. Un 3 de cœur, histoire que. En fait, ça reste une blanque, mais c'est pas la blanque totale. C'est le 5 de cœur. Après, il est pas censé avoir trop de 6-7, je pense. Ça va, c'est une blanque. Ça va. Voilà. Je pense que là, on donc bet un bébé et on casse l'action. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'avoue que moi, j'adore faire ça. J'aime bien le donc bet un bébé. J'aime beaucoup. C'est un move que j'apprécie beaucoup. Je l'ai fait plusieurs fois sur le menu. En fait, ce qui est bien c'est de donc bet une bébé, c'est que là, vu qu'on allait check fold, on perd une bébé de plus. C'est bien. Donc, du coup, est-ce qu'on check fold? Parce que bon, là, on sait ce qu'il va faire. On check, il shove. Est-ce qu'on check fold ou est-ce qu'on est recall? Ah, mais il shove pas tout le temps. Il shove. Bah là, je te dis qu'il shove là. C'est Poker Poise, c'est Poker Poise. Ah merde, Poker Poise. Ben on snap Poker call. Poise, il fait ce que t'as en pensé. On snap call. Tapinasse. On snap call. On part pour snap call ou on part pour. Non, snap call. Alex, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est battu par 6 et 7, dame et 10. Bah, 6-7, il l'a pas normalement, je pense. Pourquoi? Tu colles avec des mecs qui ont 20 blindes dans les 25 blindes en big blind? Enfin, dans les blindes? Ouais, je pense 6-7. Que ça peut se faire, ouais. Ah ouais, okay. Tu peux 3 bêtes, tu peux call et tu peux fold, je pense. Je pense pas que ce soit. Ouais, mais en fait, ça c'est les trucs. Tu joues super boutons, c'est les trucs boutons. Techniques des boutons qui est des possibilités. Moi, j'ai. Je pense pas que ce soit horrible si tu penses avoir un petit edge post flop de flat 6 et 7 ici. Ok, ouais. Tapis. On est au D2 du Colossus, ils ont 25 bébés, ils vont pas rester une tonne derrière. 6-7 8 tu colles après flop? Bah oui. Ok, bon, je sais pas moi. 90 blindes, j'avais 40-6-7 moi. Ouais, mais il y a 3 mecs derrière qui peuvent faire 90 blindes deep contre le mec, mais tout le monde a 20 blindes quoi. Ils sont 25 blindes. Non, ils ont pas 20 blindes. Ils ont 25 blindes quoi au début du coup. Ouais, 25 blindes, ça se réchauffe pas. T'as pas envie de. Surtout au D2 du Colossus. Ok. Quand c'est flat comme ça. Donc du coup, c'est pas une blanque. Du coup, ça lui rajoute des combos de 9. Non, je pense qu'on peut mettre 6 et 7 dans la range. Après, je sais pas si. Ok, donc il a 6-7 de pique du coup. Parce que je pense pas qu'il va raise 6-7 off au flop. Enfin, je sais, peut-être, on marche si tu peux. Why not en fait? Ouais, avec le short stack 6-7 de cœur, 6-7 de pique, c'est pas mal. Donc il a les 6-7 qui sont rentrés, il a dame 10. Il a dame 10. Deux valets, deux 9 de 8. Bon, deux 9 de 8, il a pas, mais deux valets.
Bah de 9 de 8, il peut avoir hein, toujours, mais... Ça fait deux... Ouais, il a deux valets, dame 10, et il a 6-7, quoi. Roi 10 de pique. Et il a roi dame de pique, roi 10 de pique. Roi dame de pique, tu l'as. As dame de pique aussi. Il peut avoir as dame de pique. Il a quand même... En combo de bluff, il a ça, quoi. Roi 10 de pique. Carré de 5. Carré de 5 en backdoor, c'est vrai. On n'avait pas vu celle-là. Il a 3 et 4 aussi, il fait straight. Non, mais il a peur. Du coup, il a 3 combos de bluff quoi en 3, gros. 3, 4, 6. Il a quoi, roi, 2, 3, 4, roi 5, 10, 6. Roi 10, roi dame et as dame. Et as 10, du coup. 4 combos de bluff. Je pense pas qu'il en ait trop d'autres. Il a pas 17 quoi. 17, il flatte pas. Bon, attends, déjà, il y a tapis, il a snap call. Donc la décision est prise. Tapis, c'est snap. Ouais, c'est snap. Cool. Et tapis, qu'est-ce snap, que tu fais, Alex? Alex. Franchement, on est super emmerdé. Et là, je repense au flop. Et je me dis qu'on aurait été bien à checker. Du coup, une réflexion qu'on n'a jamais en cash game, mais qu'on peut avoir en tournoi, est-ce que, vu que là, on est dans une situation qui est quand même assez compliquée, assez close, on préfère fold et garder un stack de 50 bébés? Clairement, surtout si c'est le D2 du Colossus, qui est un niveau plutôt faible et qu'on pense avoir un bon edge, on garde quand même 52 blindes. T'es toujours deuxième en stack sur la table, hein, avec 52 blindes, tu peux quand même encore jouer. Ouais, et puis 52 blindes, tu peux quand même jouer, il y a une belle structure. Tu peux avoir 170 blindes. C'est pas... Ouais. Tiens, le prochain film de tapis volant. Trop hâte. Snap Call, il va s'appeler le film. Oh eh, ça fait un beau call. Titre. Ah, ça, snap c'est call, un très, c'est très, bon très, très bon titre. Snap, tu dirais que c'est de moi. Putain, mec, mais pique tout, quoi. Putain. Alors, Alex, il faut décider au bout d'un moment. Bah, je fold parce que je m'attends pas en fait à ce qu'il me fasse folder après que j'ai payé deux fois, donc je fold, mais j'aurais pas joué comme ça. Okay, en général, les mains de Chichi, si c'est une main comme ça, c'est-à-dire qu'on gagne. Tu call top pair. Hein. En vrai, il call. Hein. Est-ce que genre il a buzz d'un tournoi, il a call top pair sur un énorme overbet? Je peux dire que. Overbet, c'est très polarisé. C'est vrai. C'est pas des mots comme ça que. Que je comprends pas, mais. Ouais. Après, faut balancer ta range et tout, c'est chiant, c'est relou quoi. Bon, du coup, attends, comment j'avais une analyse de la river? Franchement, là, on fait un flip avec une pièce et on regarde. Donc, j'ai une analyse de la river. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai dit. On call, bon. C'est qu'en fait, je veux dire. On va call. Attends, je te dis qu'on call. J'ai une analyse de la river. C'est que Chichi, je lui ai dit, je te connais par cœur. Tu veux, si tu mets cette main, t'es c'est qu'on call, on va gagner. Et vu qu'il a été. Garde ton analyse. Sérieux? Parce que j'allais changer ma version parce que t'as trop. Jamais changé. On te dit toujours. Ok, bon, je call. Alors je call parce que tu vas me mettre une main et on call, on call et on a perdu. Ah, je le savais. Savais que j'allais changer mon analyse, enfoiré. Il a dame 10, donc on a perdu. Putain, il a, j'étais sûr. Il a flopé la straight. Quand tu t'es voilà. Dépêché là de me dire ah là, qu'est-ce qu'il a flopé la straight. Donc on va passer à une deuxième main. On augmente. Vas-y. Je vais présenter la main. Laisse la porte ouverte. Je fais un petit monologue pour présenter la main. Donc là, on va augmenter les buy-in. C'est pas grave, laisse la porte ouverte. On va augmenter les buy-in, on va passer sur le Sunday Million, qui a baissé son prix d'ailleurs. Ah, je l'ai dit presque. On peut c'est pas vrai. J'ai ouais, fait 6 centièmes. C'est vrai. Putain, t'as c'est fait bon, tape télé aussi ou pas? Ouais. C'est avec Negreanu. T'as Negreanu? Oui, il s'en fout, Negreanu. 27 blindes, t'as là. Ah, bah ouais, mais on peut jouer au poker apparemment quand on a 27 blindes. Enfin, je sais pas, moi, c'est les tournois, hein. J'ai pris les mains de tournois, moi, ouais. J'ai fait comme ça. Okay. On m'a dit, c'est des joueurs de tournois, on m'a dit, il y a un pro qui fait des tapes télé sur ESPN et tout. Bah, moi, j'ai pris des mains de. Tu vois, des trucs. Ça se voit que t'es en train de meubler. Ah, vas-y, continue. Ouais, mais c'est galère. Je me suis fait charrier, il y avait écrit. Vas-y. Il y a, une vidéo qui a circulé. Comment Negreanu bluffe les fiches. C'est vrai, avec toi? Ouais, avec moi. Oh l'enfer. Oh, t'étais content. J'avais foldé deux rois alors qu'il avait genre troisième paire, tu vois. Genre. Ouais, non, mais pour le coup, je pense qu'il y a des tonnes. T'en fold quasiment tous, quoi. Ouais, c'est possible. Sur le coup, en plus, le bluff était ridicule, mais c'est juste qu'ils en ont fait une vidéo de ouf. Ouais, mais c'est Negreanu en fait. C'est tombé sur toi. Mais c'était quand même un peu chiant, quoi. Bref. Ouais, ça aurait été mieux, il bluff Negreanu, quoi. Génie ou fiche. Tu mais vois. Non, mais après, il y en a une qui a relevé un peu. Ouais. Ouais. Donc, du coup, il a fini. C'était bien? T'as passé un bon moment ou pas? Désolé, je me suis. Du coup, on a fait tapis, du coup. Alors, du coup. Tu fais quoi, River, du coup, là? La river, ouais, là, blocking bet, un bébé, je te dis. Ouais, c'est bon. Alors, on, okay, va, on va peut-être le faire, on va voir ça. Ça marche. Alors du coup, on est sur le Sunday Million, on a 27 blindes, on est au cut-off. Le bouton a 27 bébés comme nous, et les blindes nous couvrent la small blind 41 blindes, et la big blind 42. Ça a l'air vachement compliqué. Donc on va jouer contre le bouton. On en est où dans le tournoi? Là, on est assez loin du tournoi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est genre... 40 left, je crois, un truc comme ça. Okay. On est bien, quoi. Enfin, okay. Ça commence à sentir pas mal. Voilà, on a gagné au moins $300, là.
On est bien, mais ouais. On est bien. Le stack, on est dans la moyenne. C'est déjà la grosse monnaie. Ouais, on est dans la moyenne du tournoi. On est plutôt pas mal. On ouvre donc As-Roi au cutoff, ce qui est pas dégueu. C'est 109 le buy-in. Ça a descendu. Il est passé à 109. Ok. Ouais. Du coup, on ouvre à 2,2. Le bouton call et les blindes vont fold. Donc on est encore une fois hors de position. Le flop vient Dame 10-4 Rainbow. On a As-Roi avec l'As de cœur et le Roi de pique. Donc on n'a aucun backdoor, hein, c'est logique, sur un board Rainbow. Est-ce qu'on c-bet ici ou est-ce qu'on check, sachant qu'on est 25 deep de profondeur et qu'il y a 7 bébés au milieu? Alors on va laisser le tapis volant nous dire la mauvaise réponse. Tapis. Oui, on bet. Okay. En plus, tu l'as deep run, tu nous as dit. Bon, t'as pas été aussi loin, mais. Ouais, on bet. On bet combien dans 7 bébés? On bet 4 bébés. 4 bébés. 4 bébés pour tapis. Alex. On a la bonne réponse maintenant, Alex. Je sais pas, je pense que c'est close entre bet et check. Comme on veut. Comme on veut? Comme on veut. Bah moi je veux check. Moi aussi, ouais, je veux check, mais... Bah on va check. Moi je veux souvent check hors de pause, ouais, sur Dame 10-4. Mais... On va check et le bouton il est pas d'accord. Bah le bouton il joue, comme... Il joue comme tapis. Il a compris. Bah, en fait t'es au bouton tapis, on t'a pas dit t'es au bouton. C'est toi vilain 4. Le bouton bet 4 bébés. Du coup est-ce qu'on check raise all in? Est-ce qu'on check fold parce qu'on est weak et qu'on a envie de se faire marcher dessus ou est-ce qu'on call? En fait non, c'est un peu relou, tout est relou j'ai l'impression. On check raise all in mais on a good shot. Check call tranquille. On check call tranquille. Ouais, je pense. Alors moi je call, mais vu qu'il a pris la main, ça sera jamais un valet turn. Donc je sais que mon out de mon valet, il est pas clean, tu vois. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est un résultat orienté sur mes replays. En même temps, je vais pas le faire turn, mais par contre, en plus, ça va être sûrement une carte qui va me casser les couilles. Genre, ça va être un roi ou un as. Tu sais ce que j'adorais, moi, c'est que la turn soit un valet et la river soit une doublette et qu'on fasse un check shove. Mais non, la turn c'est un roi. Moi je fold, je vous le dis, mais du coup, je me demande pourquoi t'as mis la main. Fold de tapis. Check call, moi. Check call. Du coup, tu sais, t'es en train de te rendre compte que plus call. Personne va te stacker. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On va check call, on va check call. Moi, je te stackerai. On check call, on voit la turn. La turn, c'est pas un roi, mais par contre, on va faire une paire. La turn, c'est un as. Voilà, je t'avais dit. J'avais été sûr, j'ai dit la turn, c'est un truc. Ouais, mais il faut bien qu'on ait un peu de croustillant. 100%. Donc, la turn, c'est un as de trèfle qui apporte un backdoor flush. Donc, ça fait dame 10-4, as turn, avec le 4 et l'as de trèfle. Donc, maintenant, la top pair est good shot. Tapis. On sait comment tu t'appelles. Maintenant j'ai compris, je t'appelle plus Caddy depuis un moment, t'as remarqué. Il y a 15 bébés au milieu, on en a 21 derrière. On check, on bet. On met son tapis. On open fold, on peut open fold, c'est original. Moi, j'aime bien ce move. Une blinde, on met une blinde. Donc, une blinde, la question, on pose la question. Donc bet, 4 non, une blinde, c'est ici. Sur la river. Ouais, une blinde sur la river. On peut garder une blinde sur la river. On check, on continue de checker. On check. Donc bet, 4 bébés. On va checker. Oh, les nages. Vilain va barrel et il va bet un tiers. Il va bet 5,5. Donc il se laisse 15 bébés river. On check call tout le temps. C'est parfait. On check, 5, on check call. On part pour check call. Il met combien? 5,5. Il fait un tiers. Donc il a bet mi-pot flop, un tiers turn. Ouais, bah ouais, on call. Hein. On call. La river, c'est la doublette du 4. Mais... Donc ça fait as, dame, 10, 4, as. Plutôt une bonne carte quand même. Bah, c'est plutôt une bonne carte, ça lui enlève dame 10 déjà. C'est as, dame 10, 4 as. Non, ça fait dame 10, dame 10, 4 as 4. Moi, le vin blanc est très bon. Il y a 26 bébés au milieu. Tu le bois dans un vase. On met une blinde. C'est vrai qu'il n'y avait pas de verre, j'ai pris un vase. Une blinde. Du coup, on check, on donc bet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je tapis. Une blinde et demi. On check tout le temps? Ouais, on check tout le temps. On commence à réfléchir un petit peu. Mais tu check pour check call tout le temps? On check et après on va voir. Ouais, on avise. Ok, bah de toute façon, on sait. On sait ce qu'il va faire. On grégrise. Pas de suspense, no spoiler. On check, il shove. Ah bah, normal. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on snap call. Mets un copyright sur le snap call, tapis. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, franchement, on sait qu'on va call, donc autant snap call. Pourquoi on sait qu'on va call? On peut fold. On a encore... Si on fold, on a encore 16 blindes derrière. Là, on doit payer 15 pour... Bah on paye 15 pour gagner 55, du coup un pot 60. Qui fera 56. Juste là, il se value cut jamais. Ah non, par contre là, c'est non, soit c'est il est en bluff. Non, jamais, c'est soit il est en bluff ou... Ah bah ils ont tout cassé dans la cuisine. Ouais. c'est le retour de Chob. Merci Chob. C'est vrai qu'on est souvent dans la merde quand même. Est-ce qu'il y a des bluffs évidents? Il n'y a pas trop de bluffs. Il n'y a pas trop de bluffs. Ah, bah, en fait, les bluffs, c'est des. J'ai l'impression que c'est des. Valets 9. En fait, c'est des. Déjà, c'est des valets qui ont des paires, j'ai l'impression. Genre, dame valet.
Genre valet, ouais, valet 10, dame valet. Dame valet, il va pas le barrer le turn. Dame valet, roi dame non plus, il va pas trop le bet turn. Pas trop de raison à bluff roi dame et dame valet quand même. Tu vas check turn quoi. Ouais, il va quand même souvent check turn. Bon, c'est, il a, c'est ouais, un peu signe de tourner en bluff. Roi 10, valet 10, est-ce qu'il va... et il va call tout le temps avec. Il a combien? Il avait genre, il nous couvrait juste légèrement. Bah, ouais, il a 27 bébés quoi. Est-ce qu'on call vraiment tout? Déjà au turn, je déteste son sizing. C'est genre super value orienté quoi. De toute façon, turn, il peut pas faire grand chose d'autre que ça. Il peut soit il chauffe, soit il fait tout petit, j'ai l'impression. Tu peux pas bet autre chose, non? Parce que turn, il a 20 bébés. Et le pot fait déjà 15, donc tu peux pas bet. Enfin, c'est soit tu chauffes. C'est clair, mais d'expérience, quand les mecs font ça, ils ont quand même plus souvent bon, une main de value qu'une main de bluff. Après, il n'y a pas de bluff évident, mais on a des super bonnes cotes et on bloque Roi-Valet. Donc En fait, si tu veux, moi, je pense qu'il y a une règle, y a une règle qu'il faut avoir souvent. C'est en gros, quand tu cherches des bluffs, c'est-à-dire que. T'en trouves pas. Quand tu colles. T'as envie de lui trouver un bluff, tu réfléchis un peu trop GT aussi. Si t'arrives pas à trouver un bluff, c'est qu'il y en a pas. Et surtout qu'en plus. On est sur un tournoi à Sunday Million, on n'est pas. Genre t'es pas en high stakes, Cash Game et tout. Si t'arrives pas à trouver un bluff. Je suis d'accord. Il y en a pas. Si. Ouais, ça paraît compliqué de. Enfin, j'avoue, niveau bluff, j'en trouve pas non plus quoi. Ah, on est d'accord, Chab. Il valait 9 de trèfle. Hein? Il valait 9 de trèfle. 8 et 9. Si je peux intervenir, moi j'ai cherché des bluffs. Toute ma vie. D'ailleurs, t'as été en recherche aux toilettes, y'a pas longtemps. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé une flush. Elle est bonne. Et pareil, dans ma. Très très bon. Et dans ma carrière de poker, je me suis dit, genre, ouais, je me dis, s'il était bon en termes GTO, et là, il y a un moment où, genre, il y a 10% où il pourrait bluffer et tout, etc. Et en fait, les gens, ils bluffent jamais. Ouais, c'est ça. Ça existait, voilà. Ouais, la GTO fois, quand tu jouais, il est, franchement, il a arrêté juste c'était le pseudo d'un mec, GTO. C'est le pseudo d'un mec. Je pense que là-dessus, c'était vraiment. Je pense que c'est un. Maximum 1,5-2%. Mais par contre, le moment où tu colles et qu'il avait un bluff, t'es là, yes, yes. Ah, ouais. C'est beau. Ah, vraiment, ouais. Ah, là, c'est un très beau. Je regrette rien. Ça m'a coûté 200-300 000, mais par contre. Quel plaisir. Quel plaisir. Après, en value, il a quoi? Tapis a trouvé un bluff. Valet 9 de trèfle, il a dit tapis. Il aura roi valet ou rien d'autre, quoi, en value. Et valet 9 de trèfle, ça fait quand même pas mal de combos. As-dame, il peut 3 bet call tranquille. Bouton contre cutoff, il peut 3 bet call super serein. 3 bet call tout le temps, Asdam ici. 30 BB deep en tournoi, ouais, je pense. Ah ouais? On avait un peu moins du coup. Ouais, je pense que c'est ok. Enfin. As 10, 3 bet aussi? Non, mais As 10, il bet pas au flop. Donc en fait, il a roi valet ou un bluff, et comme il n'y a pas beaucoup de bluff, c'est sick. As 10, il va pas bet au flop, ça fait aucun sens. Il bet un peu cher au flop. Non, mais ça fait aucun sens de bet. Il fait 4 dans 7. Ça fait aucun sens de bet As 10 au flop. Ouais, c'est clair, t'as envie de check back, t'as envie d'aller. As-10, tu check back globalement. Bah oui, t'as une deuxième paire, t'as As-10. Du coup, t'as. Donc en fait, c'est roi valet ou rien d'autre. Il a pas paire de 10, paire de dame. As-dame, il a très peu souvent. As-10, il bet pas au flop. Donc roi valet ou bluff, et il y a pas beaucoup de bluff. As-dame, il flatte jamais? Roi dame. Il peut flat, mais 30 BB deep, bouton cutoff, c'est standard de 3 bet call, je pense. Ok. Donc du coup, tu serais un peu partant pour. En fait, t'as du mal à trouver des bluffs et des values, quoi, du coup. Bah, du coup, en value, pour moi, il a que Roi-Valet et on a un Roi. En fait, quoi, tu veux call, mais tu réfléchis. Mais quoi, du coup, genre... même Roi-Valet, il a pas tous les Roi-Valet. Moi, tous les jours, je tilt call ici. Hein, mais Roi-Valet, il y a pas un cas où je fais de la spoiler. Roi-Valet off. C'est, je suis en tilt, je call, il a Roi-Valet, on en parle plus. Mais... Roi-Valet, tu colles pas. Enfin, moi, je. Préflap? Pas trop. Roi-Valet, tu colles pas tous tes Roi-Valet. Préflap off, tu les colles pas. Tu les colles tous? Tous tes Roi-Valet off, là, tu colles. Bouton contre cutoff, ouais, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Putain, je connais pas ce jeu, moi. Bah après. Bah je sais pas, j'ai l'impression que Roi Valet off, hein, c'est bien quand c'est même. Pas du tout. Ouais, tu vas te faire squeeze. C'est horrible à jouer quoi, tu te fais squeeze, tu peux rien faire. Même la range de cutoff, j'ai l'impression que. Enfin franchement, t'es pas. J'ai l'impression que Roi Valet, à part les Roi Valet combos suité, ah bah du coup il en reste 3. Non, je pense que même Roi Valet off, tu peux flat. Ok. Bah, moi d'instinct, j'aurais pas tout mis de Roi Valet off. Après, peut-être je viens du cash game, mais j'ai l'impression que ça flatte pas tant que ça. Mais... J'ai du cash game. Non, mais c'est vrai. Faut voir la table. Après, c'est sûr que si ça squeeze énorme en blind, t'as pas envie de flat. Mais y a Hugo si qui ça est en train de réfléchir à la main. Les yeux fermés, il avait les yeux fermés. Moi, j'ai envie de poser une question. Hugo, tu colles ou tu fold? Colle. Réponds vite. Hugo, 23h. Ah là, call. Allez, c'est bon, on peut fold. Tout le monde colle. Allez, bon, là, je pense qu'on colle et on a gagné parce que sinon, c'est la deuxième main en général, il change, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, c'est je pense qu'on colle et on a gagné et j'arrive pas à lui trouver un bluff. Tu vois, mais moi, c'est ça, ce qui me fait plaisir dans notre relation, c'est que j'arriverai toujours à te surprendre parce qu'on a fold comme une tepue.
On sait même pas la fin de la main. On sait pas la main, la fin de la main. On a folle comme il t'a vu. Tu peux m'appeler Olivier P. Olivier P. Ça me mettait en tilt de mutant. Je te jure, j'ai arrêté d'écouter Club Poker. Moi aussi, j'écoute plus la partie technique à cause de ça. Et moi, je comprends pas parce que quand on fold, on devrait voir le showdown. On devrait voir sa main. Ouais. Pour savoir, juste pour la partie technique. Non, mais ouais, du coup, non, on a fold. Du coup, là, en gros, enfin, ouais. Bah, ça a rien. Bah non, mais si, c'est parce qu'en fait, on s'en fout du showdown. Sinon, on est résultat orienté. Là, on a une réponse, tu vois, mais on l'a fait nous-mêmes. Ah ouais, c'est quoi la réponse? Tapis, c'est chiant parce que Tapis, il a snap call. Moi, j'ai snap call. Il a zéro call. Réponse. Est-ce que j'ai pris une bonne décision ou pas? Je sais pas, en fait. Ouais, Tapis. Ouais, t'as pris une bonne réponse. Tapis, il aurait chaud au flop déjà. De toute façon, cette année, tu vas refaire un docu. L'année prochaine, tu reviens et t'amènes tes mains avec tes showdowns. Non, mais je ferai jamais un docu sur moi qui joue. Pourquoi? Ça peut être drôle. Non, elle est assez chiante celle-là, ouais, y a pas beaucoup de bluffs quoi. Ce serait pas drôle. Ouais, moi j'ai mal à trouver des bluffs. Après, si tu me dis qu'il 3-bet à As-Dame, du coup j'ai du mal à trouver des value bets aussi. Enfin, il a clair. Pas forcément obligatoire, mais c'est carrément ok de 3-bet call As-Dame. C'est pas mandatory quoi. Je parle anglais, excusez-moi. On l'a vu tout à l'heure dans l'interview. C'est Linus Love. Vous parlez beaucoup de Linus Love. Ouais, on parle. Ah, on l'aime bien. Vous l'aimez bien. Parce qu'il est funky, il a des mains trop funky. Ouais, Linus Love. C'est vrai. Il est vraiment cool. Il est blindé de pognon. On va avoir l'argent. Moi. Tu sais pas, hein, ça se trouve, c'est un gros flambeur et tout. Ah, peut-être. Il est pas chez nous en tout cas. Non. Écoutez, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Tranquillement, ça veut dire qu'il reste beaucoup de temps ou... Non, ça veut dire qu'en fait, il est minuit une. Non, il faut vraiment que tu ailles. Voilà, tranquille. Voilà, tranquille. Ah ouais, putain, c'est le truc qu'on était censé tous. J'étais sur la lune. J'étais sur la lune. C'est vrai. Tapis, le documentaire est sorti. Il y a eu pas mal là sur le thread du Club Poker, de Club Poker Radio. Là, il y avait beaucoup de retours positifs. Est-ce que t'as eu des retours négatifs? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit t'es une merde? Est-ce qu'il y a des gens Loïc non, mais... X, il y a Loïc X qui a posté. Non mais j'en ai pas eu, mais on m'a prévenu que ça allait arriver. Ah, mais c'est fort, t'auras forcément des haters. Oui. Il y en a tout le temps. Hein. Non, c'est en fonction de la gloire. Attends, moi je l'ai pas encore vu. Il y en a pas beaucoup encore. Quand même. J'étais assez. Mais non, mais ça va sans doute arriver. De toute façon, s'ils savaient tout ce que je pense du film, bah, ils critiqueraient déjà. C'est vrai. Tiens, ouais. Une question justement sur le film. Vous êtes fixé, enfin, je sais pas si vous, que ce soit toi ou personnellement ou même Wina, vous êtes fixé un peu des objectifs de vue un peu sur la vidéo ou pas, vraiment pas du tout? C'était juste le projet quoi. Bah, en fait, si ça fait 50 vues, j'ai une prime, genre 1 million. Ah, 50 vues, 1 million, bah, 50 t'es millionnaire, 50 vues, 50 t'as fait 17 000 vues. Non, mais tu rigoles, aucun t'en objectif. T'as acheté des vues? C'est vrai, parce que avant l'émission, j'ai regardé, il y en avait 62. Là, non, mais il n'y a pas du tout d'objectif. Enfin, honnêtement, ils m'ont... Je sais pas, ils étaient assez cool là-dessus, genre... Nous, on veut faire 100 000. Je montrais la version, ils me disaient ce qu'ils en pensaient, je changeais s'il y avait des trucs à changer, mais... Globalement, ils ont été très cool et il n'y a pas du tout d'objectif de vue ou de critique. T'as pas une prime, quoi. T'as pas réussi à dire, putain, 50 000, j'ai une prime, quoi. Y a pas une projection privée dans les locaux. Bah, j'aurais bien voulu qu'il y en ait une pour les membres du King 5, quoi. Mais bon, vu que je leur avais montré le film au moins 3 fois avant. Ouais. Et puis, il n'y en avait aucun qui était sur Paris, alors. Vous avez fait une projection privée. Un peu compliqué. Vous avez fait, que ce soit toi ou tes potes, vous avez montré forcément ça à vos proches. Ouais. Ils ont réagi comment? Ils ont adoré. Enfin, j'étais super, super touché de toutes les réactions qu'on a eues. Elles étaient quasiment toutes bonnes, quoi. Enfin, nos proches, évident, parce que voilà, c'est nos proches, etc. C'est pas forcément l'objectif. Mais même des gens qu'on connaissait pas, etc., qui nous ont écrit en privé, genre, qu'on donnait une bonne image, que c'était vraiment ce qu'ils voulaient voir, etc. Et genre, vraiment, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savaient rien au poker, qui savaient vite fait que tu jouais, qui ont vu ça et du coup, qui ont changé un peu de vision sur le jeu ou pas du tout? Non, je pense pas qu'on change. Je l'ai mis sur mon Facebook perso, donc je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément à fond dans le poker comme je suis, qui l'ont vu et qui m'ont tous envoyé des messages comme quoi c'était juste génial, qui voulaient que je continue, etc. Par contre, tu leur feras pas écouter cette émission de radio. Je sais pas. Moi, mes parents l'ont vu. Ah ouais? Ils ont jamais vraiment regardé les trucs que je faisais. Mon père l'a vu aussi. Ouais. Ils ont vu en haut de l'échelle ou pas? Ouais. Ah. Ça, ouais, quand même. Mais non, mais ils étaient très contents. Et pour le coup, il y avait plein de moments qu'ils ne comprenaient pas, notamment quand Pedro racontait des mains. mais en fait, ils ont kiffé, quoi. C'est ça qui était cool, quoi. C'est le premier qui regarde. Ouais, je crois qu'ils ont essayé de regarder Nosebleed, mais ils n'ont pas tenu très longtemps. La partie technique en rase. Ils commencent à parler de mains de variant. Au ukulélé, ils ont arrêté. Ouais, putain, le ukulélé. Est-ce que tu as vu Thème de Patrick Sébastien? Non, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? Non. Il faut le voir un jour, je pense. Ça ressemble à mon film.
Non, je m'assure, c'est le pire film de l'histoire du cinéma français. Ouais, je sais. Mondial, je sais, c'est sa réputation. Mais par contre, il a fait un jeu hyper cool qui s'appelle Déconnaissance, Patrick Sébastien. Un jeu de société ? Ouais. Ok. Enfin, bah, il n'est pas très cool. Je pense que c'est un des pires jeux de société du monde aussi. Mais, sérieux ? Ouais. Mais, putain, le mec, mais mec qui est un fait peu tout, marrant, mais en pire. Tout ce qu'il fait. Pourtant, il... Ok. J'allais dire pourtant quoi. Pourtant, il fait les meilleures chansons pourtant du monde. Elles sont bien. Ouais. En tout cas, c'est pas les pires. C'est pas les pires. C'est vrai. Celles juste que t'as jamais envie d'entendre à ton mariage ou à ta bar mitzvah, mais c'est pas les pires. Pourtant, tu les entendras. Ouais. Ouais, surtout à ma bar mitzvah. Surtout. Pedro. Pardon, Pedro. Oui. Alex, Romain. Romain Holmes, pardon. Alex, il a mal pris. Là, il va te péter la gueule. Là, on réglera ça à la sortie. Excuse-nous, je suis poker. Mais non, mais je parlais de l'acteur, moi. T'as pas fait de dédicace aux gens du King Fang? Si, si, je sais. Si, on l'a, il l'a fait. Ouais. Ah non, je sais pas. Si, il les a cités tout à l'heure. Martin, on fait une dédicace à tous mes. Tous mes bros. Bah écoute, Alex, on te souhaite déjà de réussir ton challenge. Merci. C'est pas le plus important, mais merci. Donne-toi du mal. Bah, si nous, on a envie de te voir à Vegas. C'est quand même important. Ouais, c'est souhaitez-moi de pouvoir être à Vegas. Parce que nous, on se dit, plus il y a de Français à Vegas, plus il y a de chances qu'on ship un bracelet et qu'on ait des invités, tu vois. C'est vrai. Parce que nous, on pense qu'à notre gueule. Ravi de nous, on en a rien à foutre, enfin. Je serais ravi de pouvoir revenir à Vegas cet été, ouais. En même temps, les mecs qui shippent des bracelets, est-ce que vous les avez à la radio après? Non, mais ça va être, bien c'est sûr. Trop qu'il a envie de parler de Julien Martini. Je le vois dans ses yeux, là. Bien sûr. Ben quoi, on l'aura peut-être un jour, Julien. J'espère qu'on l'aura un jour. Tu peux toujours rêver. Hein. Si un jour je gagne un bracelet, je reviendrai. Je rigole et en plus, j'ai dit qu'on l'aura. Je pense qu'il va venir. Julien, on l'aura. C'est sûr qu'il va venir. C'est sûr. On verra. Maybe. Écoutez, merci beaucoup. On se donne nous rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Steven à la technique et à Alix à la technique aussi. Et puis à tous les gens qui étaient là ce soir. Merci à Laurent Dumont au bar ce soir, très actif. Laurent Dumont, là, il est dans la cuisine en train de faire régner le calme. Merci beaucoup à tous les deux et puis à Pedro merci en direct de Marrakech. Merci à vous, merci à tous. Ouais, surtout à Nikita. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bon, ciao bisous, tout le monde, ciao, salut. Merci, ciao. Il n'y a que moi qui applaudis. Voilà.